Alors bonjour à tous et à toutes, bonjour à notre public qui est ici, bonjour aux internautes qui nous suivent en direct sur YouTube. Bienvenue dans ce débat sur le thème « Est-il rationnel de croire en Dieu ?» Alors quelques mots pour resituer le contexte. Il y a quelques mois sortait le site comprendredieu.com, un site destiné aux sceptiques avec le but avoué de présenter des arguments pour les convaincre de la pertinence du christianisme. Et parmi les contenus du site se trouvait une vidéo d'Alexis Masson intitulée « Dieu existe-t-il » et qui a fait débat et qui a suscité une réponse toujours en vidéo du site « La tronche en biais ». Alors suite à ces publications, une discussion s'est engagée entre les deux protagonistes et il a été décidé d'organiser un débat autour du thème « Est-il rationnel de croire en Dieu ?» Et donc c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour en débattre aussi avec le public et avec les internautes qui nous suivent. Est-il rationnel de croire en Dieu? Alors c'est une question capitale qui pose plein d'autres questions, le sens de la vie après la mort, etc. Et puis d'autres questions que nous avons retenues, notamment quelle est notre démarche vers la vérité? Comment est-ce qu'on va aborder cette question? Est-ce qu'il suffit de tenir compte de notre expérience de tous les jours? Est-ce qu'il faut invoquer la foi? Est-ce qu'on peut aborder cette question par la science? C'est ce que nous expliquerons nos deux débatteurs. Et puis la deuxième question, y a-t-il des arguments en faveur de l'existence de Dieu? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que ces preuves sont vérifiables ou bien est-ce que ce sont simplement des vues de l'esprit? Alors pour en débattre, nous avons donc nos deux orateurs. À ma gauche, Thomas Durand, donc, qui est docteur en physiologie végétale. Il a notamment enseigné à l'université d'Angers, à Claude Bernard à Lyon, et puis il a effectué des recherches à l'ENS. C'est aussi un écrivain, auteur de pièces de théâtre et de romans de fantaisie. Il est membre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il est l'auteur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, qui vulgarise la pensée critique. Il publie également sur un blog où il s'intéresse aux limites de la rationalité, donc un blog qui s'intitule La menace théoriste. Et puis à ma droite, Alexis Masson. Alors Alexis Masson est conférencier, il a étudié la philosophie à l'Université de Strasbourg. À l'origine, il était athée militant. Et puis la réflexion philosophique et une expérience spirituelle l'ont conduit à se convertir à la foi chrétienne. Depuis, il a étudié, notamment dans le cadre de ses recherches universitaires, la réponse des philosophes néo-thomistes envers la critique kantienne des preuves de l'existence de Dieu. Et puis, suite à ses études, il a lancé des émissions sur Radio Arc-en-Ciel, où il cherchait à défendre la pertinence de la religion et de la pensée chrétienne. Voilà, alors nos deux débatteurs aujourd'hui vont débattre donc sur ces deux sujets. Tout d'abord, quelle démarche vers la vérité? Et puis ensuite, y a-t-il des arguments en faveur de l'existence de Dieu? Alors pour chacun de ces sujets, nous aurons une demi-heure, 15 minutes de temps de parole chacun. Ils pourront le gérer comme ils souhaitent. D'abord, ils auront un temps d'exposé, donc libre à eux de prendre 5 ou 10 minutes s'ils le souhaitent pour ce temps-là. Et puis dans le temps qu'il restera, ils pourront échanger entre eux. Et donc moi, je veillerai au temps de parole pour que les deux débatteurs aient le même temps et que le débat soit équitable. Donc un premier temps de questions, quelle démarche vers la vérité? Un deuxième temps, y a-t-il des arguments en faveur de l'existence de Dieu? Et puis suite à ce temps de discussion entre nos deux débatteurs, il y aura un troisième temps avec vous, le public, les internautes, où vous pourrez poser vos questions. Alors pendant le temps de l'exposé, vous pouvez déjà commencer. C'est possible de le faire sur la chaîne YouTube. Vous laissez vos questions dans les commentaires. On a deux personnes qui suivent en direct et qui n'empêcheront pas de relayer vos questions. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi intervenir. Je crois que c'est relayé également sur Facebook, sur Twitter. Donc n'hésitez pas, ils suivent et transmettront tout ça tout à l'heure pendant le temps de questions. Voilà, alors sans plus attendre, je vais laisser la parole peut-être à tout d'abord à Thomas Durand, ça vous va, qui avait commencé à réagir à la vidéo d'Alexis Masson. Il va formuler sa critique et puis ensuite Alexis Masson se défendra et c'est ce qui engagera le temps de débat sur cette question. Quelle démarche vers la vérité? Voilà, Monsieur Durand, vous avez... Je ne suis pas là pour l'agresser du tout, donc merci de m'avoir invité. Et pardon pour ma voix parce que j'ai des problèmes d'élocution ces derniers jours. Donc j'aimerais commencer avec une citation, « Errare humanum est, perseverare diabolicum », n'est-ce pas ? Parce que nous savons tous que nous commettons tous des erreurs, tous les jours, et nous sommes potentiellement dans le faux. Et donc, comme personne ici ne veut croire des mensonges, on est tous à la recherche d'une vérité, qu'elle soit... quelle que soit la recherche, on recherche vraiment la vérité. Donc il faut utiliser les moyens efficaces pour trouver cette vérité et pour être sûr que ce qu'on tient pour vrai est vraiment vrai. Donc pour ça, il faut utiliser des méthodes. Et dans le monde actuel, aujourd'hui, en 2015, la méthode qui a fait ses preuves, qui est la plus efficace pour ça, c'est la méthode rationnelle. C'est la seule qui permet d'avoir un retour du réel vers la raison. Donc, pardon, ça consiste à exercer la raison
sur les manifestations du réel, utiliser notre logique, nos connaissances, pour comprendre de quoi le réel se compose, comment il se comporte, etc. Donc si on prive la raison de contact avec le réel, ce que font certains avec des arguments qui sont très intellectuels mais pas réels, le problème c'est que c'est risqué parce qu'on ne peut pas savoir si on n'est pas en train de se tromper complètement. On a des gens qui sont dans le délire complet, je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais il y a des gens qui sont comme ça, et dans leur sphère, ils sont logiques, parfaitement logiques. Et donc il n'y a pas de contradiction. Malheureusement, dès qu'on sort de la sphère avec le monde réel, ça ne marche plus. Donc la méthode pour vérifier ça, c'est la raison, c'est la méthode rationnelle. Et donc, pour ça, il faut appliquer une recherche systématique de l'erreur. Et la recherche systématique de l'erreur, c'est l'autre nom de la science. La science consiste à ça. Consiste à vérifier, on pose une hypothèse et on cherche à la démolir. Si on n'y arrive pas, c'est sans doute qu'elle est vraie. Donc la méthode scientifique est la seule à l'article qui peut me permettre de produire ce qu'on appelle des connaissances objectives. C'est-à-dire des vérités communicables et valables pour tout le monde. C'est l'intérêt de la science, c'est que même si on n'y croit pas, c'est vrai pour tout le monde. Et elle repose donc sur différents piliers, notamment l'empirisme, c'est-à-dire le retour d'expérience vers le monde réel, le scepticisme a priori, c'est-à-dire qu'il faut d'abord douter de l'hypothèse pour être sûr de voir si elle est vraie, parce que si on commence par l'accepter, c'est beaucoup plus délicat de revenir après dessus. Voilà, donc en science, une chose importante, c'est qu'on ne produit aucune vérité absolue. On produit des modèles explicatifs du monde qu'on remet en question constamment à l'épreuve des expériences, c'est ce qu'on appelle des théories scientifiques. Je vais articuler, des théories scientifiques. Une théorie, c'est un modèle qui explique le monde. La théorie, en général, elle est toujours au moins un peu fausse, parce qu'on sait bien que le réel est compliqué. Mais au moins, quand la théorie est là, on la remet en question, et la méthode consiste à passer par des théories, pour avoir accès au réel. Et donc, un rationaliste, comme moi aujourd'hui, ici, c'est le rôle qu'on m'a attribué, enfin que j'accepte volontiers, c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir la vérité. Je ne sais pas si j'ai totalement raison. Je ne suis pas sûr à 100% d'avoir raison. Mais c'est pas grave, parce que je sais que je n'ai pas forcément raison. Et je sais comment vérifier si je n'ai pas tort, parce que j'ai la méthode pour le faire. Et donc, être rationnel, dans la définition, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est ça. On sera peut-être pas d'accord, bon, d'accord. Mais disons que la manière dont moi je vois les choses et dont on est plusieurs à voir les choses dans le monde scientifique, c'est ça, c'est appliquer le doute rationnel à l'analyse des hypothèses. Donc c'est analyser de manière critique une hypothèse et juger de ce niveau de vraisemblance. Parce que entre le vrai et le faux, il y a aussi toute une gamme de gris entre ce qui est vraisemblable et ce qui n'est pas vraisemblable. Et donc, est-ce qu'il est raisonnable de croire quelque chose qui n'est pas vraisemblable? C'est une question qui se pose. J'ai ma réponse. Et donc si l'hypothèse n'est pas vraisemblable, alors on peut conclure logiquement qu'il n'y a pas de justification rationnelle de la tenir pour vrai. Il n'y a pas de raison objective de penser que c'est vrai, donc d'y croire, a priori. A l'inverse, si l'hypothèse est vraisemblable, et si elle explique mieux le monde que les théories alternatives, dans ce cas-là, on dit qu'elle est vraie, jusqu'à preuve du contraire. C'est la méthode qu'on applique en général en science. Donc quand quelqu'un se présente avec une hypothèse, n'importe laquelle, par exemple Alexis qui nous dit que Dieu existe, très bien, donc, la méthode consiste à lui demander très poliment « Quel argument avez-vous pour que je puisse penser qu'il est plus rationnel de vous croire plutôt que de penser que vous êtes dans l'erreur ou que vous voulez me tromper ?» Très poliment. Je ne dis pas que c'est le cas, mais voilà. Enfin, il faut toujours avoir ça à l'esprit avec n'importe quelle hypothèse qu'on vous présente. Donc la charge de la preuve, dans ces cas-là, incombe à la personne qui vient avec une hypothèse, avec une proposition qui est un peu étonnante. Et dire qu'on a une relation personnelle avec le créateur de l'univers, c'est étonnant, a priori, puisque personne ici ne l'a vu. Enfin, moi, je n'ai pas vu, en tout cas. Et on n'a pas de preuves physiques, etc., qui montrent que cette entité existe. Donc, comme c'est étonnant, comme on n'a pas, a priori, d'expérience et de précédents qui attestent que c'est vrai, la personne qui vient avec cette hypothèse doit le prouver. Donc, voilà. Mon côté, je suis beaucoup plus modeste dans ce que je dis. Je n'ai pas de position définitive sur la question. Je suis sceptique. Et donc, je dis qu'en l'absence de preuves objectives, il faut faire plus fort et moins vite. Je vais faire des efforts. J'ai du mal. Je ne sais plus où j'en étais. En l'absence de preuves objectives, il n'est pas raisonnable de croire en l'existence d'une entité que personne n'a vue, a priori. Alors, bien sûr, il y a des preuves de l'existence de Dieu, sinon personne n'y croirait. Il faut voir que, si on entend par le mot preuve, donc je mets preuve entre guillemets. Donc, les preuves qu'on entend souvent, c'est le fait que l'univers existe, ce qui en soi peut-être est étonnant, mais peut-être pas forcément. Le fait que l'univers soit ordonné, ce qui est étonnant, ou alors qui n'est pas étonnant, ça dépend. Après, on a aussi les prophéties, les révélations, les miracles, les traditions, les dogmes, etc. Donc plein de choses qui font que les gens ont des motifs pour croire. Ça, il n'y a aucun problème. Mais la question, c'est est-ce que ce registre de preuves-là est dans le registre de la preuve rationnelle ou est-ce qu'on est dans le registre
de l'acte de foi, de la tradition, etc. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose. C'est respectable, mais ce n'est pas rationnel. Et surtout, bien souvent, on est dans le désir de croire. Alors ça, ça peut s'expliquer par plein de phénomènes psychologiques, évolutifs, traditionnels, etc. Et donc là aussi, c'est respectable, mais ce n'est pas une démarche qui est rationnelle. Donc il faut regarder ensemble, on va essayer de discuter, si les preuves qu'on peut apporter sont réellement convaincantes ou s'il s'agit de mauvaises raisons de croire. Des raisons de croire, mais pas des raisons rationnelles. Donc pour finir, je veux dire qu'être rationnel, ce n'est pas seulement être logique et cohérent. Comme je disais là, on peut être logique et cohérent et être dans le faux. Un scénariste avec un film ou un roman, ça sera logique et cohérent, mais ça reste de la fiction. Et donc il faut avoir un retour vers le réel, avoir donc une phase empirique dans ce cas-là, parce que toute connaissance qui n'est pas au moins en partie empirique, elle peut être totalement dénuée de réalité. Je vais m'arrêter là. Juste, quand même, donc là, ça c'est pour la question de la démarche, et du coup, dans la partie, dans ce débat, quand on veut savoir s'il est rationnel de croire en quelque chose, il faut définir cette chose. Et donc moi je viens ici avec mon ignorance totale de la question, avec ma méthode rationnelle, et j'aimerais demander à Monsieur Masson, à Alexis, au cours du débat, qu'il me définisse ce que c'est que Dieu, de manière à pouvoir voir si c'est rationnel d'y croire. Parce que si on n'a pas de définition, par définition, on ne peut pas croire ce qui n'est pas défini. Voilà. J'espère que j'ai été clair, c'est pas forcément facile. Voilà, merci beaucoup. Alors je me tourne vers Alexis Masson. Vous avez entendu la démarche vers la vérité adoptée par Monsieur Durand. Est-ce que vous partagez la même démarche? Et sinon, quelle est votre démarche pour connaître la vérité? Non, je ne partage pas exactement la même démarche, même s'il y a des nombreux points communs entre la méthode proposée par Thomas et la mienne. Je me qualifierais comme appartenant justement au courant rationaliste, et je qualifierais plutôt Thomas comme appartenant au courant empiriste. Et en fait, ce sont deux écoles distinctes. L'une privilégie les connaissances scientifiques comme étant à l'origine de toute connaissance, surtout empirique, donc venant de l'expérience. Le rationalisme privilégie les connaissances venant de la raison, et donc d'abord la logique, ensuite les mathématiques, et ensuite seulement les sciences empiriques. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi, en tant que rationaliste, je pense que privilégier à l'excès la science nous oblige à négliger certaines vérités qui sont pourtant raisonnables d'admettre. Alors, tout d'abord, je crois que la vérité, c'est quelque chose qui est assez évident pour tout le monde. La vérité, c'est le fait qu'il y ait la correspondance entre un énoncé ou une idée et puis un fait. Si je dis que je suis en train de parler, c'est vrai parce que je suis effectivement en train de parler. La vérité, c'est très simple et tout le monde a une idée à peu près correcte de ce qu'est la vérité. À peu près tout le monde peut voir comment on peut vérifier la vérité. Il y a deux critères notamment pour vérifier si un énoncé est vraiment vrai. Le premier, c'est est-ce que l'énoncé en question est logiquement nécessaire? C'est-à-dire, si on le niait, est-ce que ça impliquerait une contradiction? Je donne un exemple tout simple proposé par Descartes. Je pense donc je suis. C'est évidemment vrai, puisqu'il est impossible de penser sans être. Donc c'est une vérité qui est évidente, qui est purement logique. Le deuxième critère, ce sont les vérités qui sont de type empirique, vérifiées immédiatement. Si par exemple je dis « je vois Thomas en face de moi », c'est vrai parce que je constate que je vois effectivement Thomas en face de moi. Donc ça, c'est une vérité empirique. Donc on a d'un côté des vérités rationnelles et de l'autre des vérités empiriques. De la même manière, pour le faux, on peut utiliser les mêmes critères. Si un énoncé est logiquement impossible, eh bien on sait qu'il est évidemment faux. Si je dis que dans cette pièce, il y a un cercle carré, c'est évidemment faux parce que l'idée d'un cercle carré est contradictoire. Donc il n'y a même pas besoin d'expérience, je sais d'office que l'idée est fausse. Et d'autre part, le deuxième critère, là encore, il est empirique, il est lié à l'expérience, c'est si je fais une expérience contraire à l'énoncé en question, eh bien, je sais qu'il est faux. Si par exemple, je dis que depuis ma place, là où je suis positionné ici, je vois la tour Eiffel, je sais que c'est faux, puisque je constate que je ne vois pas la tour Eiffel depuis ma position. Donc ça semble assez évident de savoir où est le vrai et où est le faux. Là où c'est plus problématique, c'est pour tous les énoncés où on ne répond ni aux critères de vérité, ni aux critères de fausseté. Et il y en a un paquet d'énoncés de ce type-là que l'on pourrait qualifier de possibles. J'ai donné juste un exemple. Personne ne peut me dire si l'énoncé suivant, il y a une pièce de 1 euro perdue au fond de la mer et dont nul ne connaît l'existence. Personne ne peut me dire si cet énoncé est vrai ou faux. Personne parce qu'il n'est ni logiquement nécessaire, ni logiquement contradictoire. Il n'est ni infirmé, ni réfuté par l'expérience. Donc je ne peux pas me prononcer à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Alors c'est justement le problème, c'est que
La plupart de nos croyances, la plupart de nos idées, en réalité, sont dans ce domaine du possible. Ni évidemment vrai, ni évidemment faux. Prenons l'histoire, par exemple. La plupart des gens s'imaginent que l'histoire est une discipline évidente. Tout le monde sait que Jules César a existé. Mais on n'a aucune certitude, en réalité, à 100%, absolue. En fait, l'histoire ne contient aucun énoncé qui soit logiquement nécessaire, ni aucun énoncé qui soit empiriquement vérifiable, hormis, bien entendu, en archéologie. Mais sinon, on est obligé de s'appuyer sur des documents qui, si on y fait confiance, nous font penser qu'il s'est passé tel ou tel événement. Mais on ne peut pas vérifier si effectivement Jules César a existé. Ce qui fait que des fois, on pose la question, est-ce que l'histoire est une science? Alors oui, c'est une science, mais un peu différente des sciences empiriques. Autre exemple, les sciences naturelles, dont Thomas est un représentant. Les sciences naturelles, elles aussi, ne donnent pas de certitude à 100%. Parce que les sciences naturelles se fondent sur l'induction. L'induction, c'est quoi? C'est vous accumuler une série de cas particuliers et vous en tirez une loi générale. Le seul problème, c'est que vous ne pouvez jamais être sûr que vous ne trouverez pas un jour un cas particulier qui viendra infirmer votre loi générale. Si par exemple, je dis que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu que des corbeaux noirs et que j'en tire la loi « tous les corbeaux qui existent sont des corbeaux noirs », eh bien, il me suffit de trouver qu'un seul corbeau blanc et ma loi est réfutée d'office. Et je ne peux pas assurer, a priori, que je ne trouverai jamais un corbeau blanc. Ce qui fait qu'un épistémologue qui s'appelait Karl Popper affirmait que la science ne s'occupe pas du vrai. Et là-dessus, nous sommes d'accord, Thomas et moi. La science ne s'occupe pas directement du vrai. Elle s'occupe de ce qui est évidemment faux parce que réfuté par l'expérience ou de ce qui est vraisemblable. Il y a une petite différence nette entre le vrai absolument sûr et le vraisemblable. C'est-à-dire que plus on accumule d'expérience, plus on sent qu'on s'approche de la vérité, mais sans jamais être absolument certain. Enfin, il y a des croyances qui semblent évidentes pour vraiment tout le monde et qui pourtant n'ont aucun support ni logique, ni expérimental, et qui pourtant semblent être des vérités tellement essentielles que si on n'y adhère pas, eh bien tout notre corpus de connaissances part à la poubelle. C'est ce qu'on appelle les croyances métaphysiques. Et un exemple de croyance métaphysique, c'est « le monde existe ». Est-ce que vous êtes sûr que le monde existe? Descartes disait « et si maintenant j'étais dans un rêve, comment puis-je faire la différence entre le rêve ou la réalité? Je n'ai aucun critère logique ni aucun critère empirique. Je peux facilement confondre les deux. » Plus récemment, un philosophe et un épistémologue qui s'appelle Hilary Putnam a donné un autre exemple, dont s'est inspiré d'ailleurs le film Matrix. Il donnait l'exemple suivant. Admettons ou supposons que je sois un cerveau dans une cuve connecté avec des électrodes. Et ce cerveau, enfin ces électrodes, me donnent l'illusion de ce monde. Quelle preuve logique ou empirique puis-je avoir que cette hypothèse est fausse? Eh bien en fait, je n'ai aucune preuve empirique et aucun argument qui soit de type mathématique. En fait, je ne peux avoir que des arguments métaphysiques en faveur de cette hypothèse-là. Ce qui veut dire que si vous n'admettez même pas l'hypothèse qu'il y ait des vérités métaphysiques, vous êtes obligé de dire qu'il n'y a aucune vérité, même pas scientifique. Parce que pour qu'il y ait une vérité scientifique, il faut d'abord croire que le monde existe. Donc nous l'avons vu, il y a d'un côté des connaissances qui sont certaines, celles de la logique et celles de l'expérience immédiate, mais elles sont en très faible nombre. Et de l'autre côté, nous avons une grande quantité, une quantité écrasante de vérités qui en fait sont incertaines, de croyances qui sont incertaines. Pour autant, je ne crois pas que l'on doit céder au relativisme. Ça pourrait être facile de dire, bien puisqu'on ne peut pas vérifier absolument cela de façon certaine, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Je ne partage pas cet avis, je ne crois pas qu'il faille céder au relativisme. Je crois au contraire que la vérité n'est pas une affaire de préférence subjective, ce n'est pas une question de goût, et donc nous devons rechercher des arguments pour croire quelque chose. Et d'autre part, nous ne devons pas céder au relativisme également parce que nos croyances ont des implications éthiques. C'est-à-dire que quand je crois quelque chose, je vais agir selon mes croyances. Si par exemple maintenant je croyais que le monde est une illusion et que je peux me permettre de y faire ce que je veux comme si j'étais en train de jouer à GTA, je pourrais me permettre, logiquement parlant, de tuer n'importe qui, ce qui est évidemment est absurde. Donc nos croyances sont bien des implications métaphysiques et des implications éthiques. Et c'est pourquoi nous ne devons pas croire comme nous le voulons. Nous devons croire avec méthodologie. C'est pourquoi avec William Clifford, je crois qu'il faut promouvoir une éthique de la croyance. Parce que nous agissons en fonction de nos croyances, mais aussi parce que seule l'argumentation peut nous rapprocher de la vérité. Il faut donc reconnaître que nous avons, oui, des certitudes qui sont positives et négatives, et il faut les prendre comme telles. Et pour le reste, eh bien, nous devons avoir affaire à des arguments qui sont probabilistes. Et parfois, cette probabilité peut aller assez loin. On peut devoir faire confiance, par exemple, au témoignage. Dans le cas des affaires judiciaires, on fait confiance à des témoins, à la parole de l'accusé, à la parole de la victime, si elle est encore en vie.
dans l'enseignement également. Il n'y aurait aucun enseignement si on ne faisait pas d'abord confiance à celui qui nous enseigne. Et donc, par conséquent, nous devons parfois faire confiance au témoignage selon la crédibilité du témoin. En matière de religion, je crois que nous devons procéder de la même manière. Nous ne devons pas être subjectivistes en fonction de nos préférences. Nous devons nous baser sur des démonstrations, des preuves ou des arguments probabilistes. Je pense que la position par défaut, c'est celle de l'agnosticisme, qui consiste à ne rien affirmer. S'il y a des arguments qui tendent en faveur de l'athéisme, on doit adhérer à l'athéisme. S'il y a des arguments qui tendent en faveur du théisme, on doit adhérer au théisme, même si ce n'est qu'une question de probabilité. Voilà quel est donc le chemin de la vérité, je pense. C'est un chemin qui est méthodique, qui est philosophique, qui se nourrit également des sciences. Mais je pense que c'est le seul chemin qui peut nous conduire de façon fiable à la vérité. Voilà, merci Alexis Masson. Alors il y a un léger temps d'avance du côté de Alexis pour le débat. Donc je me tourne vers Thomas Durand. Alors j'ai bien entendu votre question, sans doute qu'on y reviendra dans la deuxième partie de savoir qui est Dieu pour parler des arguments qui pourraient le prouver, mais ou peut-être même avant, déjà dans ce qui vient d'être dit, par rapport à cette démarche vers la vérité, en particulier appliquée à Dieu. Est-ce que vous, ça vous semble bon? Est-ce que ça ferait exception par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? De manière générale, qu'il faut revoir votre démarche? Je n'ai pas envie de pinailler sur les détails. De manière générale, on est d'accord sur la méthode, sur le fait que la vérité a un statut particulier et que la science s'approche de la vérité. Donc là, on est d'accord. Sur le témoignage, je suis beaucoup plus sceptique parce que le témoignage, on a montré que les gens qui sont dans le couloir de la mort et dont on prouve 20 ans plus tard qu'ils étaient innocents, dans 100% des cas, ils ont été condamnés sur la base d'un témoignage. Les témoignages ne sont pas fiables. Et un témoignage tout seul, ça ne vaut rien, vraiment en termes de recherche. Quand on a des témoignages qui sont nombreux et cohérents entre eux, etc., ça peut avoir un intérêt, mais ce n'est pas une preuve. Juste pour dire ça, parce que le témoignage, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, on est dans une culture où on accorde trop d'importance au témoignage, de manière générale. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous dites sur l'énoncé contradictoire. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça fait partie de ma démarche. Plus qu'agnostique, je sens même carrément ignostique. À savoir que ça veut dire que, en gros, les athées qu'on considère que, ne croient pas en Dieu, considèrent que le concept est étranger au monde. Les agnostiques considèrent que cette vérité-là est inaccessible. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et les ignostiques, ce qui est plus mon cas, considèrent que les énoncés n'ont pas de sens. Ils ne sont pas compréhensibles en soi. Donc, ça ne sert à rien de chercher à y répondre tant qu'on n'aura pas d'abord défini mieux l'énoncé. Et donc, le problème que j'ai, c'est que lorsque je prends le concept de Dieu que j'entends autour de moi de la part des croyants, je n'arrive pas à y voir un concept cohérent. Parce que pour moi, il est contradictoire. Donc j'aimerais vous demander, est-ce que Dieu est omnipotent? Est-ce qu'il est omniscient? Est-ce qu'il est bienveillant? Et si vous pouvez juste expliquer ça, parce que dans cet énoncé-là, moi, je vois des contradictions. D'accord. Rien que ça. Quand vous dites ignostique, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de sens à ces énoncés, c'est parce que la définition vous semblerait insuffisante ou c'est par la nature même des énoncés que cela vous pose un problème? Comme je veux dire, si on reprend uniquement les trois grandes qualités qu'on accorde à Dieu, omnipotence, omniscience, omnibénévolence, quand on regarde ça de près, moi je vois des contradictions. Donc j'aimerais juste d'abord savoir si de ce point de vue-là, on est d'accord pour dire que ces trois qualités-là définissent Dieu. Il y en a d'autres, certainement, mais est-ce que celles-là suffisent sont des qualités qui appartiennent à Dieu ou pas? D'accord, donc c'est un problème qui est lié à la définition plus qu'à la nature des énoncés. Alors, qu'est-ce que l'omnipotence de Dieu? C'est la capacité par Dieu à réaliser tout ce qui est logiquement possible. Donc c'est la toute-puissance. On exclut évidemment l'omnipotence, toute-puissance, oui. Donc on exclut bien entendu, est-ce que Dieu peut faire qu'un cercle soit carré dans un espace euclidien? Je précise euclidien parce qu'évidemment il y a d'autres types d'espaces non euclidiens qui le permettent. Évidemment non, puisque c'est contradictoire. Donc Dieu ne peut pas faire ce qui est contradictoire parce que la contradiction en fait désigne quelque chose qui n'a pas de sens, qui est absurde. Quand on dit un cercle est carré, qui est en même temps carré, ce qu'on a affirmé dans l'idée du cercle, c'est-à-dire l'absence de côté, on l'affirme dans le carré, c'est-à-dire la présence de côté. Donc on annule ce qu'on vient de dire, donc il n'y a rien. Donc là vous répondez à l'argument de la pierre de Dieu. Enfin, est-ce que Dieu pourrait créer une pierre? Effectivement, ça rentre trop lourd pour la soulever. S'il le peut, il est omniscient, mais il ne peut pas la soulever, donc il n'est pas omnipotent. Vous voyez. Et s'il ne peut pas la créer, il n'est pas non plus omnipotent. Donc en gros, il est inféodé à la logique. C'est pas qu'il est inféodé à la logique, c'est que la logique comprend tout ce qui est possible. Ce qui est en dehors de la logique est impossible. Donc Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas possible. Il n'y a rien en dehors de la logique. Donc Dieu est inféodé à la logique. Le concept de Dieu
ne peut pas sortir de logique. On doit rester... En dehors de la logique, il n'y a rien. En fait, c'est aussi une position rationaliste, en fait. Position rationaliste, oui. C'est aussi une position rationaliste qui consiste à considérer que le réel est rationnel et tout ce qui est dans le réel est forcément rationnel. Il n'y a rien en dehors de la logique. Donc, il faut que... Dès qu'on sort de la logique, on est forcément dans la contradiction, dans l'absurde. C'est-à-dire que les mots perdent leur sens. Il n'y a plus aucun référent possible. Je suis d'accord, mais c'était bien pour avoir un point de départ. En fait, c'est le mot inféodé qui me gêne un petit peu, comme si la logique était une personne. Alors, la logique n'est pas une personne, c'est simplement les règles du sens. Aucun concept n'est une personne, et même Dieu qui n'est qu'un concept. Oh, on peut s'amuser un peu. Hein. Donc, la question que moi je me pose, donc, en fait, on est d'accord pour dire qu'il faut être dans un cadre logique, et donc que la définition de Dieu doit être logique. Oui. Si elle n'est pas logique, elle ne marche plus. Effectivement. Et donc, on ne peut pas y croire. Exactement. Donc, si Dieu est omnipotent, il peut tout faire. Exactement. Bon, il est tout puissant dans le cadre de logique. Bon, maintenant, s'il est omniscient, il sait tout. Il sait tout ce qu'on va faire, il sait tout ce que ces créatures vont faire, ce qu'elles vont penser, etc., machin, etc. Donc il ne peut pas se repentir d'avoir créé l'homme et faire le déluge. Il ne peut pas mettre les gens à l'épreuve, parce qu'il sait très bien à quoi ça va servir. Il ne peut pas créer un monde imparfait pour mettre les gens à l'épreuve et après les emmener au paradis ou en enfer. Il ne peut pas dire à Adam, ne mange pas du fruit, parce qu'il sait qu'il va le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le concept d'omniscience? Ce que je répondrais, c'est que Dieu sait effectivement tout ce qui va s'accomplir, mais parfois, nous, on se dit que Dieu, s'il savait telle ou telle chose, et s'il savait quelles étaient les conséquences, il ne le ferait pas. Par exemple, s'il avait su que, disons, Adam mange une pomme et que cette pomme entraîne la chute, etc., Dieu ne l'aurait pas fait. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Je pense au contraire que Dieu aimant d'un amour qui est gratuit, il pouvait largement aimer des créatures dont il savait qu'elles allaient pécher et estimer qu'elles étaient dignes d'exister malgré le fait qu'elles allaient pécher. Mais il est puni. Donc en ce sens, oui, bien sûr. Mais donc en ce sens, je ne vois pas de contradiction entre le fait qu'il savait que cela allait s'accomplir et le fait qu'il l'ait quand même voulu. D'accord. Bon, je vais revenir après sur la lumière, mais sur l'omniscience, il y a un deuxième aspect. S'il est omniscient, il ne peut pas être surpris. Les prières ne peuvent pas altérer ses décisions. Il sait exactement ce qu'on va faire. Donc du coup, est-ce que la prière a le moindre intérêt? Alors, la question a été posée par Platon, en fait. Elle est tout à fait intéressante, parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on devrait prier Dieu si Dieu sait déjà quel va être l'objet de nos prières? En fait, Jésus dit ça également. Il dit, ne faites pas comme les païens, ne répétez pas incessamment vos prières en imaginant que ça va changer l'opinion de Dieu. Pourtant, car Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Eh bien, parce que, en fait, la prière ne consiste pas à changer ou à modifier la volonté de Dieu. Elle consiste à demander par politesse que Dieu accomplisse quelque chose qu'il a envie de faire parce qu'il est bon envers nous. De la même manière que lorsque vous êtes un enfant et vous avez soif, et en disant « j'ai soif » ou en exprimant votre soif, vos parents savent déjà qu'ils doivent vous donner de l'eau pour répondre à votre besoin, mais ils attendent, et c'est quoi la formule? La formule c'est « s'il te plaît ». Tu dois reconnaître que cela dépend de ma bienveillance. Et bien de la même manière, en priant, nous reconnaissons notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas un automate qui vient systématiquement répondre à nos besoins. Tout est évident, il ne répond pas aux prières des Africains qui meurent du sida ou de la famine. Donc, c'est vrai, après, il y a la question de la responsabilité humaine. Hein. On a suffisamment d'argent aujourd'hui pour résoudre le problème de la famine dans le monde. Hein, donc, c'est facile de rejeter constamment la faute sur Dieu. C'est la bienveillance, c'est le troisième point. Je ne suis pas très convaincu, en fait, parce qu'on apprend un enfant à dire merci parce qu'on vit dans un monde où il faut apprendre aux enfants à ne pas être que des primates. On doit être des gens civilisés, on doit apprendre à parler, etc. Je n'ai pas le sentiment que le rapport avec Dieu implique des codes sociaux. Je n'ai pas le sentiment que... D'ailleurs, si vraiment il voulait qu'on fasse ça, il suffirait qu'il apparaisse. Du reste, j'ajoute que si Dieu faisait ça, je serais totalement croyant, parce qu'il suffirait qu'il le décide. Si Dieu existait et qu'il était bon, que tous les gens soient chrétiens, bouddhistes, musulmans, comme vous voulez... Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait des gens qui ne croient pas, parce que Dieu pourrait décider que tout le monde croit. Et au-delà du fait qu'on fasse le bien ou le mal, ne serait-ce que d'être croyant, ça simplifierait les choses. Et il ne le fait pas, c'est étonnant. Mais du coup, question. Oui, mais enfin, juste pour rester sur le côté de l'omniscience, le problème qu'il pose aussi, c'est que si Dieu est omnipotent, il fait tout puissant, et qu'il est omniscient, donc il sait tout par avance, le libre arbitre n'existe plus. Il crée les gens exactement en sachant ce qu'ils vont faire. Il n'y a aucun libre arbitre. C'est impossible. On est totalement tel guidé. Du reste, du côté des athées, c'est pas mieux parce que la matière fait qu'on est tel qu'on est et le libre arbitre est aussi une illusion.
Donc, dans les deux cas, c'est un problème. Mais le libre arbitre est quand même la réponse que vous allez me suggérer à la question de la bienveillance et du mal dans le monde. Donc, il faut en parler maintenant du libre arbitre. Pourquoi est-ce que le libre arbitre existe, malgré l'omniscience de Dieu ? Alors, ça dépend comment vous définissez le libre arbitre. En fait, il existe deux courants en philosophie majoritaires. Il y a le courant libertarien qui considère que la liberté consiste à prendre une décision ou un choix sans qu'il y ait de cause avant. Et vous avez un autre courant qui s'appelle compatibiliste et qui considère que tous nos choix ou toutes nos volontés, puisque toute chose est ultimement déterminée par Dieu. Et donc nos décisions également sont déterminées par Dieu. Maintenant, est-ce que nous sommes libres ? Nous sommes libres parce que quand nous faisons tel ou tel choix, c'est bien nous qui opérons un calcul entre plusieurs alternatives. Dieu sait déjà quel choix nous allons faire. Et la succession des déterminations fait qu'il va y avoir une alternative qui va nous apparaître comme plus évidente et on va calculer en sa faveur plutôt qu'en faveur d'une autre. Oui, mais il le savait. Oui, mais il le savait, mais bien sûr. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'opposition entre l'omniscience de Dieu, la toute-puissance de Dieu et la liberté humaine. La liberté humaine est le fruit du calcul que nous opérons à chaque fois entre plusieurs alternatives. Et comme nous ne pouvons faire ces calculs que s'il y a des choses qui existent, des motifs, des critères, des déterminations, Dieu les connaît déjà par avance. Et donc le fait même de son omniscience et de sa toute-puissance ne néglige pas et n'annule pas notre liberté. Mais bien sûr, compris au sens non pas libertarien, mais compatibiliste. D'accord. Enfin, ça, pour moi, ça ne répond pas au problème que si on va venir après. Dieu est bienveillant, Dieu est amour, etc. Donc le problème de la théodicée, qui est le problème que les philosophes des religions n'ont pas réussi à résoudre depuis tout ce temps, c'est que si Dieu est bienveillant et qu'il est tout-puissant, qu'il est omniscient, il pourrait très bien créer un monde, sauf si c'est contradictoire en soi, mais il pourrait créer un monde dans lequel il n'y a pas de souffrance, dans lequel il n'y a pas de mal, etc. Il n'y aura pas de tsunami qui tue des centaines de milliers de gens en quelques secondes, sauf que ce n'est pas ce qu'on voit. Donc le monde tel qu'on le voit ne semble pas être celui qui aurait dû être créé par ce type de Dieu-là. Alors comment est-ce qu'on explique que Dieu est bienveillant, et omniscient, et tout-puissant, et qu'on observe quand même le monde qu'on voit actuellement ? Alors, bien, tout simplement parce que Dieu est amour. En ce sens que Dieu étant amour, même s'il sait déjà tout ce qui va se passer, même s'il est suffisamment puissant pour créer un univers dans lequel il n'y aurait eu aucun mal, même si Dieu aurait pu créer un univers dans lequel tous les hommes feraient toujours les décisions que Dieu attendait, eh bien, si c'était le cas, ça signifierait que Dieu aurait opéré une discrimination entre créatures. Il aurait pris seulement les créatures possibles qui ne commettraient jamais aucun péché, qui ne se rebelleraient jamais contre Dieu, qui feraient toujours tout bien. Et puis toutes celles qui commettraient le moindre péché, il les écarterait de la possibilité même d'être créées. Autrement dit, il y aurait une évaluation en Dieu de certaines valent la peine d'être créées et d'autres ne valent pas la peine d'être D'accord, créées. Donc ça, admettons, ça répond au mal humain. Oui. Ça ne répond pas au mal. Enfin, on a des épidémies dans le monde actuel, on a des gens qui souffrent, qui objectivement sont innocents, qui souffrent atrocement et qui meurent. Et Dieu laisse. Bon, ça, le lien avec les arbitres n'est pas immédiat, je vous l'accorde, mais enfin, votre réponse, elle ne marche pas dans ce cas-là. Alors, il y en a quand même un. Parce qu'en fait, il y a deux réponses qui sont d'ailleurs complémentaires à la question du mal naturel, donc le mal qui se produit dans la nature. C'est d'une part la notion de chute qui affirme qu'il suffit qu'il y ait un seul péché pour que la nature, en tant que système, soit détraquée. C'est un peu comme si vous avez une horloge, il suffit d'une petite poussière pour que l'horloge, toutes les pièces de l'horloge soient déréglées. Donc il y a cette première réponse. Une deuxième réponse qui vient de Plantinga, qui est un philosophe américain et qui est considéré comme justement ayant répondu quasi définitivement à la question du problème de la théodicée, qui affirme que ce libre arbitre, on peut non seulement l'appliquer aux hommes, mais on peut aussi émettre l'hypothèse qu'il y ait des créatures qui soient surnaturelles, ce qu'on appelle des démons en théologie, et qui elles-mêmes soient dotées du libre arbitre de telle sorte qu'elles puissent opérer des actes mauvais dans la nature. Ce sont deux réponses possibles. Dieu à cette a créé les démons pour qu'il mal, pour des raisons qui m'échappent. Non, il n'a pas créé pour le mal. Sur la première partie du débat, il y a Alexis Masson qui arrive à la fin de son temps de parole. Et il reste 2 minutes du côté de Thomas Durand. Du coup, je vais peut-être juste demander à Alexis Masson, est-ce que vous auriez une question posé à Thomas Durand pour terminer cette partie. Moi, sur je propose. Sur la vérité. Moi, j'ai une question. Si vous avez j'ai une question chose, et puis on partage le temps. C'est pas un problème. Vous avez répondu donc Dieu est amour, ce qui était la réponse que j'attendais. Quelle est votre démarche pour vérifier cette hypothèse ? Comment est-ce que vous savez par exemple,
Quelle manière avez-vous de prouver que Dieu peut-être est mauvais, mais qui vous fait croire le contraire? C'est possible, ça. Comment est-ce que vous savez que ce n'est pas le cas? Alors, il y a deux éléments qui me feraient dire que Dieu est amour. Le premier, c'est la création. Dans la mesure où Dieu est... Dieu mauvais pourrait avoir créé le monde pour s'amuser. Mais il manquerait le monde et la douleur. Un Dieu mauvais pourrait être là pour s'amuser de la douleur des gens. Il y a assez de douleur pour qu'il soit content, le Dieu mauvais. Je saisis bien l'objection. D'accord. Mais il manquerait le motif dans le sens où Dieu étant infini et étant parfait, il n'a ni besoin ni intérêt. Un être qui est mauvais, qui est sadique, souvent a besoin d'un plaisir qu'il ne trouve pas ailleurs, le plaisir de la souffrance de l'autre. Donc il le manque de quelque chose. Mais Dieu étant infini et parfait, il ne manque pas. Ça, c'est votre définition. Peut-être que Dieu vous fait croire qu'il est parfait. En fait, il est mauvais. C'est pour ça qu'après, il faut poser la question des préjugés de Dieu. Ça, c'est une autre question. Mais si on part de l'idée que Dieu est parfait et infini, il n'a ni besoin ni intérêt. Si on part de l'idée de cela, oui. L'acte de création de la conclusion, c'est est un acte qui est gratuit. Et en ce sens, c'est un acte qui est un don de l'existence, qui est un acte d'amour. La deuxième réponse possible, c'est relativement au fait que Christ soit venu parmi les hommes. C'est Dieu incarné qui est venu parmi les hommes pour leur montrer une bonne vie, une vie d'obéissance, et en même temps qui a été prêt à mourir pour leurs péchés et à ressusciter. Ce sacrifice est considéré par les chrétiens comme étant une des preuves les plus importantes de l'amour de Dieu. Donc voilà deux éléments qui me font dire que Dieu est amour. On est un peu loin du créateur. On va arriver sur la question justement des preuves. Le temps tourne, on a déjà passé la première demi-heure. Merci pour vos premiers échanges. Tout à l'heure, c'est Thomas Durand qui a commencé. Du coup, je vais me tourner vers Alexis Masson. Peut-être pour le deuxième sujet, si vous pouvez nous présenter du coup votre réponse à cette question. Y a-t-il des preuves justement, des arguments en faveur de l'existence de Dieu? Et puis, suite à quoi, à nouveau, Thomas Durand pourra réagir et on poursuivra les échanges sur cette question-là. Voilà, je vous écoute. Alors, oui, il existe des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Certains arguments sont assez classiques. Je vais d'abord en citer trois parce que ce sont les trois qui sont les plus souvent utilisés aujourd'hui, à savoir notamment l'argument du commencement, c'est-à-dire que tout ce qui a un commencement a une cause. Or, il semblerait que l'univers est un commencement, du moins c'est ce qu'on nous enseigne en cosmologie. Et donc, par conséquent, il doit avoir eu une cause capable de le créer, donc suffisamment puissante pour le créer. Un deuxième argument, c'est l'argument du fin réglage, à savoir que, en général, tout ce qui est complexe et qui répond à une finalité est plus probablement le fruit d'une cause intelligente plutôt que du hasard. Or, quand on observe l'univers, on voit que les constantes et les lois fondamentales de la physique semblent être précisément ajustées afin de permettre la vie, sur un spectre de possibilités où la majorité des possibilités ne permettent pas l'existence de la vie. Et donc, par conséquent, il est plus probable que l'univers soit le fruit d'une cause intelligente plutôt que du hasard. Et puis, un troisième argument qui est assez classique, c'est l'argument moral, qui consiste à dire qu'il existe des lois morales objectives qui dépassent l'homme et la nature. Or, toute loi implique un législateur, et donc par conséquent, un législateur moral au-dessus des hommes et de la nature devrait exister. Ça, ce sont les trois arguments les plus souvent utilisés et connus aujourd'hui. Alors, j'avoue que je n'adhère pas forcément pleinement à chacun d'entre eux. Il y a un argument qui, moi, m'intéresse beaucoup plus et sur lequel je vais me concentrer, c'est l'argument par la contingence. L'argument par la contingence, c'est un argument qui s'appuie sur un des principes fondamentaux de la raison, à savoir le principe de raison suffisante. D'après ce principe, le réel est rationnel. Autrement dit, tout ce qui existe a une raison, c'est-à-dire une explication, qui rend compte de son existence et de sa manière d'être. Si on applique ce principe à la question de l'explication de l'univers, on se retrouve face à deux hypothèses possibles. Ou bien l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des réalités physiques existantes, peut suffire à sa propre explication. Et alors dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire de chercher l'explication en dehors que dans l'univers, donc par exemple en Dieu. Ou bien, autre hypothèse, l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des réalités physiques, ne suffit pas à sa propre explication, et donc par conséquent, il faut trouver une explication en dehors de l'univers, une explication dans un être qui est autosuffisant, qui s'explique intégralement par lui-même, à savoir notamment à travers l'analyse Dieu. Si l'univers suffit à sa propre explication, ça voudrait dire que l'univers est nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être autrement qu'il est, parce que la raison de son existence et de sa manière d'être ne dépend que de lui seul. Il n'est pas variable de facteurs extérieurs qui pourraient le faire changer ou être autrement qu'il est. Donc autrement dit, si l'univers suffit à sa propre explication, il est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas être, ou il ne peut pas être autrement qu'il est.
Alors certains athées s'imaginent parfois que si chacune des parties de l'univers formait un système cohérent et que l'on pouvait le décrire comme un système cohérent, eh bien alors cela suffirait à expliquer l'univers par lui-même. Et beaucoup d'athées citent notamment Laplace qui, face à Napoléon, lui demandant pourquoi est-ce qu'il ne parlait pas de Dieu dans son système, dans son exposition du système du monde, Laplace lui avait répondu « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Mais en réalité, Laplace, le propos de Laplace est déformé par rapport à la réalité, parce que Laplace croyait effectivement en Dieu. Laplace, en réalité, défendait la thèse de Leibniz contre celle de Newton, à savoir que Dieu est suffisamment intelligent et suffisamment puissant pour créer un univers qui soit cohérent, de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de constamment venir réparer des défauts que Dieu n'aurait pas su prévoir d'avance ou n'aurait pas su calculer d'avance. Dieu est suffisamment intelligent et donc par conséquent il peut créer un univers cohérent qui puisse, semble-t-il de l'intérieur, s'expliquer de lui-même. Mais il reste un problème, c'est que la cohérence ne suffit pas à expliquer l'existence de l'univers. C'est deux questions différentes. Vous pouvez imaginer un univers qui est totalement cohérent, et pourtant il reste dans votre tête, il est purement imaginaire, il n'est pas existant. Et donc la question de la cohérence de l'univers ne suffit pas à résoudre la question de la contingence de l'univers. En réalité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons penser que l'univers est contingent. Tout d'abord parce que l'univers est un ensemble. Et quand vous avez un ensemble, l'ensemble dépend forcément de ses parties. De plus, les parties à l'intérieur de l'univers sont dépendantes d'autres parties. De telle sorte que tout est dépendant d'autres choses dans l'univers. Donc l'univers, en tant que somme de choses qui sont elles-mêmes dépendantes, ne peut être que lui-même dépendant d'autres choses. L'univers est donc forcément contingent. Deuxième argument, cette fois-ci appuyé sur la logique modale, donc c'est la logique contemporaine qui s'intéresse à la question de la possibilité et de la contingence. La logique modale nous dit que l'inexistence de l'univers est une possibilité puisqu'elle n'implique pas de contradiction. L'énoncé « l'univers n'existe pas » n'implique pas de contradiction et donc c'est une possibilité au moins logique. Donc ça veut dire que l'univers ne peut pas s'expliquer par lui-même. Troisième argument qui vient toujours de la logique modale, on peut concevoir d'autres univers logiquement possibles. Mais si on peut concevoir d'autres univers logiquement possibles, le nôtre n'est qu'une possibilité parmi d'autres et donc se pose la question du pourquoi a-t-il cette forme plutôt qu'une autre. Enfin, un autre argument qui est un peu moins abstrait et un peu plus concret, qui est issu de la physique contemporaine, nous dit que les lois et les constantes fondamentales de l'univers sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être autrement. Et donc par conséquent, cela veut dire que d'autres univers sont possibles, si les lois ou les constantes avaient été différentes, voire même on peut même concevoir des multivers, c'est-à-dire la réalité coexistante de plusieurs univers qui sont tous différents les uns des autres. Donc ce qui veut bien dire que notre univers est contingent, c'est un fait, semble-t-il. Cela signifie qu'il aurait pu ne pas exister, cela signifie qu'il aurait pu être autrement, cela signifie que certes, il est peut-être cohérent, mais comme une quasi-infinité d'autres univers possibles, qui sont tout aussi logiquement possibles, mais qui pour autant, pour une bonne part d'entre eux, certainement n'existent pas. C'est une possibilité parmi une infinité d'autres possibilités. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi existe-t-il? Et pourquoi a-t-il cette forme plutôt qu'une autre forme? L'explication ne peut pas résider dans l'univers lui-même, et il faut la trouver dans une cause qui soit nécessaire, qui suffise à sa propre explication, qui soit autosuffisante. Et puisqu'il y avait plusieurs alternatives contingentes, c'est-à-dire que cette cause a dû faire le choix de créer cet univers plutôt qu'un autre, voire pas du tout, et par conséquent nous avons affaire à un être que l'on peut qualifier à la fois d'absolu et de personnel, un être que nous appelons Dieu. Et voilà, nous arrivons à la définition de Dieu. Cet argument en particulier, mais parmi d'autres encore que je n'ai pas cités, prouve, me semble-t-il, qu'il est raisonnable de penser que Dieu existe. Parce qu'il existe des arguments rationnels en faveur de son existence. Et je reviens juste sur un petit point que l'on a abordé dans la première partie, à savoir qu'il suffit qu'un argument soit probable et que les probabilités penchent plus dans un sens que dans l'autre pour qu'il soit raisonnable de croire en Dieu. Et je pense que là, nous avons un cas qui nous montre que les probabilités penchent plus raisonnablement en faveur de l'existence de Dieu plutôt que contre. Merci Alexis Masson. Alors je me tourne vers Thomas Durand, où vous avez vu plusieurs fois hausser les épaules, froncer les sourcils. C'est des arguments qu'on a entendus 100 fois. Enfin, donc c'est des arguments classiques, hein. Ils sont très très convaincants parce qu'on croit déjà. Donc je vous accorde que forcément les gens qui croient déjà sont très contents d'entendre ça parce que ça les rassure. C'est normal. Quand on est tenant d'une hypothèse, tout ce qui va confirmer l'hypothèse est rassurant. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Je vais le faire en l'articulant. C'est le biais de confirmation. On est très content quand on a des éléments qui viennent nous rassurer dans ce qu'on croit. Et ça, on appelle ça rationaliser. C'est pas raisonner. C'est se rassurer. Et donc,
Les gens qui croient pour de multiples raisons seront convaincus par ces arguments. Moi, je ne le suis pas parce que je les ai un peu creusés, je sais un peu ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est que ce sont des hypothèses soit irréfutables, soit qui reposent sur des prémices qui ne sont pas prouvées. Donc en fait, on a quelque chose qui repose sur l'ignorance. Donc tout ça, ce sont des arguments de l'ignorance. Tout ce qu'on vient de dire là, tout ce que Alexis vient de dire, c'est intéressant, c'est cohérent en soi, mais ça repose sur l'ignorance. Il veut mieux se poser sur ce qu'on sait, à savoir que on sait par exemple que l'univers a peut-être un début, mais c'est pas sûr. Le Big Bang, on ne sait pas si c'est le début de l'univers. Au-delà du mur de Planck, donc quelques millionièmes de secondes après la singularité, on ne sait pas ce qu'il y a avant, parce que les modèles actuels ne disent pas ce qu'il y a avant. Donc on ne peut pas dire que l'univers a un début, on ne sait pas. D'autant que les modèles du multivers prévoient que peut-être l'univers peut être éternel. C'est possible. Et si l'univers peut être éternel, l'argument du commencement ne marche plus. Parce que ce n'est pas de début, il n'y a pas de début, ça ne sert à rien. Et pourquoi est-ce que c'est crédible? Parce que les modèles physiques montrent que lorsqu'on retire toutes les particules, toute l'énergie, tout de l'univers, il y a des particules qui apparaissent. Le néant est instable. Donc le rien n'est pas l'état de repos de l'univers. Apparemment, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait quelque chose. Donc s'il faut qu'il y ait quelque chose, ça veut dire que chercher une cause à ça est inutile, puisque par définition, le point de départ, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est la réponse à la question de Leibniz, hein, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Après, comme petit argument, on a le réglage fin, qui est en fait l'argument de Pangloss, hein, je vous invite à regarder Voltaire, à savoir que incroyable, le monde est magnifique, le ciel est bleu, est transparent, et l'eau nous désaltère. Oui, parce que nous avons évolué dans un monde qui permet ça. Le monde dans lequel nous vivons est compatible avec notre existence, par définition. Si le monde n'était pas compatible, on ne serait pas là. Dans la mesure où on a des modèles du multivers, il est possible qu'il y ait une infinité d'univers dans lequel nous ne sommes pas. On est dans celui-ci parce que bon, on est là, quoi. Mais c'est une tautologie. Ça ne sert à rien de chercher une raison pourquoi est-ce que l'univers est bien réglé, puisqu'on est là. S'il n'était pas réglé, on ne serait pas là. L'argument moral, le problème c'est que quand on parle des lois de la nature et qu'on dit en face qu'il y a un législateur, on se retrouve face au problème du langage. Le langage humain n'est pas fait pour expliquer l'univers. L'engagement, il est fait pour communiquer entre nous. Donc quand on parle de loi de la nature, ça ne veut pas dire qu'il y a un législateur. Ça veut dire qu'on explique l'univers via des processus, via des modèles mathématiques. On appelle ça loi. Parce que ça ressemble en effet à quelque chose. Si je lâche la bouteille, elle tombe. Mais ce n'est pas une loi qui est prescriptive, c'est une loi qui est descriptive. Alors que si je dis tu ne tueras pas ton prochain, c'est une loi qui est prescriptive. Donc le terme législateur, c'est un abus de langage. Il ne faut pas faire ça, ça va bien. C'est très mal. Et la morale s'explique très bien par les mécanismes évolutifs. Il y a plein de modèles qui montrent qu'on retrouve de l'altruisme chez les animaux, on retrouve des éléments embryonnaires de proto-morale chez l'animal, et donc on n'a pas besoin d'appliquer des règles, notamment les 10 commandements qui sont moralement relativement limites. On pourra en parler si vous voulez, mais ce n'est pas un argument. Et la morale absolue est une illusion. Voilà. À tout ça, ça t'est répondu 100 fois. Mais je voudrais juste revenir sur le fait que si on considère que c'est rationnel, de croire en Dieu, qu'il y a des preuves rationnelles, dans ce cas-là, la communauté scientifique, dont le travail consiste à analyser des hypothèses et à les tester, devrait être convaincue. Donc les scientifiques, les personnes les plus affûtées pour l'esprit critique, devraient être ceux qui croient le plus. Or, ce sont ceux qui croient le moins dans le monde. Quand on regarde le niveau de croyance des populations et le niveau de croyance des scientifiques, ils sont toujours moins croyants que les autres. Donc, bon, c'est un indice, c'est pas une preuve. Hein. Mais si on avait un argument rationnel, il devrait être reconnu par les scientifiques. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut parler de ce que c'est qu'une preuve, pour le coup, puisque les scientifiques ne sont pas convaincus, c'est qu'ils considèrent que la preuve n'est pas là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Est-ce que croire en Dieu, ça veut forcément dire croire dans un texte? Qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce que croire en Dieu, ça veut dire croire parce que j'ai des preuves ou croire parce que j'ai la foi? Est-ce que c'est deux choses différentes ou est-ce que c'est la même chose? Si c'est la même chose, quel type de preuve pourrait vous convaincre que vous avez tort? S'il n'y en a aucune, en quel cas, vous êtes dans une démarche de foi. Ce n'est pas les preuves qui vous font croire. Vous croyez parce que vous avez la foi. Et les preuves, c'est en plus, c'est du bonus si elles existent. Si vous voulez des preuves pour croire, c'est que la foi n'est pas suffisante. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a un problème. Si vous voulez être rationnel, c'est que la foi n'est pas suffisante. Et si vous voulez être rationnel, c'est qu'il faut des raisons et elles ne sont pas là. Je pense que ça pose problème. Est-ce que vous voulez répondre à... Oui, bien sûr, je réponds à beaucoup de choses. Bon, vous avez évoqué beaucoup de choses. Et je voudrais commencer par dire que les arguments sont rassurants pour les croyants, ils le sont également pour les incroyants.
entre un athée et entend un argument athée, ça marche pour tout le monde. Il est rassuré. Tout à fait. C'est valable dans les deux sens. Ça marche pour tout le monde, vous avez raison. Évidemment. Et nous, on les hypothèses sont irréfutables, dites-vous. En fait, c'est parce que nous avons une épistémologie qui est différente. Vous avez une épistémologie qui est empiriste, donc qui attend des preuves empiriques. Je suis rationaliste, donc j'attends des preuves logiques. Et oui, la logique, par définition, est irréfutable, en fait. Ce qui va faire le problème en logique, ça va être la contradiction. Oui. Il faut trouver qu'on arrive à une absurdité. Comme Dieu, qui est omniscient, omnipotent, bienveillant. Exactement. Ça, c'est le type d'argument qui peut fonctionner face à un rationaliste. Mais si vous montrez, si vous cherchez d'ailleurs à prouver par l'expérience que 1 plus 1 égale 2, vous ne pouvez pas, puisque c'est un énoncé qui par lui-même est analytique, il ne dépend pas de l'expérience. Et de même, d'ailleurs, de l'expérience, vous ne pouvez tirer aucune loi générale, aucune loi de la logique, vous pouvez le tirer de l'expérience. Vous aurez simplement des inductions qui seront probabilistes, mais vous n'aurez aucune loi de la logique. Et le seul problème, c'est que l'induction elle-même repose sur des présupposés analytiques, et donc, moi, et c'est pour la raison pour laquelle, moi, j'adhère au rationalisme. Mais donc, du coup, me dire que c'est des hypothèses qui sont irréfutables, c'est des arguments d'ignorance, non, en fait, c'est des arguments qui sont rationalistes, et il faut adhérer au rationalisme, c'est vrai, pour accepter les arguments. Oui, mais il ne repose sur aucune connaissance, il repose sur ce qu'on ne connaît pas. En tant que rationaliste, je dis que c'est des connaissances. Pour moi, 1 plus 1 égale 2, c'est une connaissance absolue. Mais dire que l'univers a forcément un commencement, en fait, c'est une ignorance, parce qu'on ne sait pas si l'univers a un commencement. Là, si on vient maintenant à la question de l'univers, a-t-il eu un commencement ? En fait, justement, l'argument de Leibniz est prémuni contre cette question-là, parce que Leibniz ne s'intéresse pas à la question de l'origine de l'univers. Sa question ne se situe pas au niveau d'un cadre temporel, un univers qui n'aurait pas existé pendant un temps, puis qui ensuite commencerait à exister. Leibniz se pose la question dans l'absolu. Pourquoi l'univers existe-t-il ? Même un univers qui serait infini dans le temps, même un univers qui n'aurait jamais eu de commencement, se pose la question pourquoi cette série infinie existe alors qu'elle pourrait également ne pas exister. Il aurait pu ne jamais avoir existé, comme il aurait pu toujours avoir existé. Et donc se pose toujours la question du pourquoi l'univers existe-t-il, même s'il n'avait pas eu de commencement. Et là, il y a une petite différence du coup entre l'argument de Leibniz et l'argument, par exemple, de William Lane Craig, à savoir l'argument par le commencement. Donc c'est deux choses légèrement différentes. Et du coup, on est d'accord que l'argument du commencement, dès l'instant où on considère que l'univers n'a pas forcément de commencement, la prémisse de l'argument ne marche plus. Alors, pour l'argument du commencement, oui, bien sûr. Bon, bien sûr. William Lane Craig, très mauvais. Sauf que, bon, il y a quand même, par exemple, il me semble que c'est Alan Guth, le cosmologiste, qui avait démontré qu'il y avait forcément, même s'il y avait eu d'autres univers avant notre univers, il y avait forcément eu un commencement, me semble-t-il, mais ce serait à vérifier. Et ça, je laisse aux scientifiques le besoin de répondre. Il existe également des arguments mathématiques en faveur de l'idée d'un commencement, savoir la difficulté à concevoir une régression à l'infini, le cerveau n'est pas fait pour concevoir l'infini, mais l'infini se fiche du cerveau. L'infini peut exister et nous, on n'est pas capable de le comprendre. Ça ne veut pas dire que... Ça dépend, parce qu'il semblerait que ça conduise à des absurdités. Mais je laisse l'argument de côté, parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'argument par la contingence. D'accord. Vous me demandez également, qu'est-ce que la foi ? Est-ce que la foi, c'est croire sans preuve ? Eh bien, non. La foi en hébreu, ça vient de l'hébreu emouna, qui signifie faire confiance en Dieu, s'engager envers Dieu, être fidèle envers Dieu. Ouais, c'est la même racine que fidélité, c'est ça ? Pardon ? Foi et fidélité, c'est la même racine. Exactement. En latin, c'est fides, pour parler de foi, et ça a donné le français fidélité. Effectivement, il y a un lien entre les deux. Or, moi-même, je sais que ma femme existe, et je le sais parce que j'en ai des preuves, notamment empiriques. Pour le coup, je suis empiriste, et pas seulement rationaliste. Ma femme n'est pas purement abstraite. Mais je sais qu'elle existe, et pour autant, je lui fais également confiance. Donc, il n'y a pas d'opposition nécessaire entre le fait de savoir que Dieu existe, par des preuves, notamment, ou des arguments, et puis d'autre part, le fait de lui faire confiance. D'ailleurs, en théologie, il existe même des êtres qui savent que Dieu existe et qui pourtant ne lui font pas confiance, qui n'ont pas confiance en lui, qui n'ont pas foi en lui. C'est ce qu'on appelle les démons, par exemple. Les démons sont des êtres, dit-on, qui savent que Dieu existe et qui pourtant ne lui font pas confiance. Donc ce sont deux questions différentes. Savoir que Dieu existe... On n'est pas tellement dans le domaine rationnel. Quand on parle de démons, je suis un peu étonné. Alors ça dépend ce que vous entendez par rationnel. D'un point de vue rationaliste, on peut l'être à partir du moment où un être est logiquement possible. D'accord. Et on peut, ce qu'on appelle des expériences de pensée notamment, on peut concevoir un être logiquement possible pour vérifier est-ce que si on émettait telle hypothèse, ça conduirait ou non à une contradiction. J'entends rationnel dans le rapport au réel. Bien sûr, mais je l'entends au sens de l'épistémologie rationaliste. Encore une fois, il y a une petite différence entre nous. Vous êtes empiriste, je suis rationaliste. Et je pense que ça cause une partie du désaccord. Mmh. Et du coup, par rapport à la foi, le problème, c'est que, bon, admettons qu'on peut avoir des preuves et être fidèle de l'autre côté, c'est une chose. Mais alors, quel type, si on est rationnel, on doit admettre que si on a des preuves, on doit avoir potentiellement des preuves du contraire. Si on a des preuves que Jésus est Dieu, par exemple,
il faudrait voir quel type d'argument pourrait vous convaincre du contraire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas musulman? Pourquoi vous n'êtes pas pastafarien? Vous n'avez pas de preuve que le monstre de spaghetti volant, le monstre de spaghetti volant, c'est le dieu d'une religion parodique, qui est le pastafarisme, qui considère que l'univers a été créé par un monstre de spaghetti volant, un soir alors qu'il avait un peu trop bu. Bon, soit. Et cette thèse-là est irréfutable. Vous ne pouvez pas, personne ne pourra me prouver que le monstre de spaghetti volant n'existe pas. Et de manière rationnelle, un rationaliste ne peut pas me prouver que ce monstre-là, même si ça a l'air totalement fou, Dieu peut être totalement fou, c'est pas un problème. Donc, est-ce que c'est vraiment rationnel de dire que, dans la mesure où j'ai cette hypothèse, sans lien avec le réel, qui est logique en soi, je peux y croire et c'est rationnel? Vous me dites ça, vous dites que j'ai cette croyance dans ce Dieu omnipotent, omniscient, bienveillant, on a vu que c'était impotent, mais bon. Soit il est réel, pour vous, enfin il est là, le réel est ici, il n'y a pas de lien, et pourtant vous considérez qu'on peut y croire de manière rationnelle. Alors, j'ai des arguments contre le pastafarisme, notamment le fait que effectivement Dieu est censé ressembler à un plat de spaghettis volant, parce que Dieu a créé l'homme à son image, postulat, que le cerveau de l'homme ressemble à un plat de spaghettis, et donc par conséquent, si Dieu a créé l'homme à son image, eh bien il doit lui-même ressembler à un plat de spaghettis, et donc on arrive à l'idée du Dieu qui est un plat de spaghettis. Il me semble quand même qu'il y a des arguments contre cette hypothèse, notamment parce que nous avons besoin d'un être qui soit nécessaire, pour expliquer l'univers, un être qui s'explique par lui-même. Sauf si l'univers est nécessaire en lui-même. Alors sauf, donc là j'émets l'hypothèse que l'argument par la contingence est valable. Il faut une prémisse qui n'est pas prouvée. Alors j'émets l'hypothèse que, en fait je donne juste qu'il y a des arguments contre le pastafarisme. Et donc si tel était le cas, le problème d'un monstre de spaghettis volant, c'est qu'il ne peut exister que dans l'espace, parce que la nouille s'étend dans l'espace, donc elle dépend d'autres données. Sauf si c'est une nouille métaphysique. Mais dans ce cas, c'est plus une nouille. Une nouille, ça a quand même une réalité physique, vous pouvez la manger. Quand on dit que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, est-ce que Dieu est un homme, est-ce que Dieu est une femme, est-ce qu'il est dans l'espace? Justement, on en vient à la question de l'anthropomorphisme. En fait, le problème, c'est que beaucoup. Donc Dieu peut être une nouille. Je ne vois pas d'argument rationnel pour dire qu'il ne peut pas être une nouille. Sauf s'il est un être nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune autre réalité que de lui-même, donc notamment. Peut-être qu'il a décidé d'être une nouille. S'il a décidé, je. Mais ça veut dire dans ce cas qu'il. Vous retirez à Dieu la possibilité d'être une nouille, c'est étonnant. Oui, je pense vraiment, parce qu'il est absolu. Mais juste, j'en termine sur la question de l'anthropomorphisme, pour qu'on saisisse bien la différence entre le plat de spaghettis et le dieu des chrétiens. Le dieu des chrétiens n'est pas un homme, il n'a pas de sexe, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de visage, il n'a pas de main. Ce sont des anthropomorphismes qu'on utilise parfois dans la Bible, et la Bible elle-même nous met en garde contre les anthropomorphismes. Oui. Dieu n'est pas un homme. C'est un biais cognitif. Donc c'est-à-dire qu'on explique très bien en biologie. Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Notamment parce que tout ce que l'on peut imaginer est dans l'espace ou dans le temps. Notre imagination repose sur des dimensions. Or, Dieu est transcendant sur toutes les dimensions. C'est justement ce qui fait qu'il est réellement transcendant et réellement indépendant. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas imaginer Dieu. Et c'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles il y avait cet interdit à Israël de représenter Dieu ou de faire des idoles, de faire des représentations de Dieu. D'autre part, je crois qu'il y a des arguments en faveur de la foi chrétienne, même a priori. Savoir, par exemple, la notion de Trinité. La notion de Trinité... Si on voit Dieu comme étant un être effectivement absolu et indépendant, s'il n'est qu'une seule personne, il ne peut pas avoir de propriétés relationnelles. Mais s'il est plusieurs personnes, il peut avoir des propriétés relationnelles. Comme par exemple le fait d'aimer un autre. Le fait d'aimer un autre implique qu'il y ait plusieurs personnes. On est très loin de la question en fait. Si, une question c'est pourquoi, par exemple, la foi chrétienne plutôt que l'islam, eh bien je pense qu'il y a des arguments a priori en faveur de la foi chrétienne. Auxquels ne répondent pas des théologies comme par exemple la théologie islamique. Mais je pense qu'il y a réellement des arguments. Après, évidemment, ces arguments sont toujours rationalistes. Je vous coupe une seconde parce qu'on arrive bientôt à la fin du temps de parole de ce côté. Il y a à peu près 7 minutes 30 d'avance. Les questions vont beaucoup dans un sens. Ah oui, parce que en fait, c'est pas un problème parce que. Mais... En effet, moi, j'ai une méthode, je ne sais pas. Ouais, alors du coup, ça m'intéresse. Alexis parce que... propose qu'il sait, donc je pose la question. Donc, je pense, étant donné qu'il y a quand même une position pour la vérité des deux côtés. Et pas simplement une vérité qui est questionnée. Je me dis, y compris pour les internautes, que peut-être qu'il y a des questions à poser dans l'autre sens. Est-ce que vous auriez à poser des questions, parce que finalement, il y a, la question de la crédibilité, je trouve, des deux côtés, quoi. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Thomas Durand, et aussi pour équilibrer les temps de parole dans le débat? Bien, oui, et notamment, j'ai entendu tout à l'heure que vous disiez que l'univers pouvait apparaître du néant. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez comment le néant est un vrai néant, et auquel cas, si vous refusez carrément le principe de causalité, par exemple. Le problème, c'est que définissez-moi ce que c'est que le néant. Moi, je ne sais pas. Et les modèles actuels ne permettent pas de poser un néant initial duquel sortirait quelque chose. Dès qu'on retire tout de l'espace, même l'espace, le temps, j'y connais rien, mais j'ai lu des choses,
Et les physiciens expliquent que, spontanément, des particules apparaissent. La différence entre une particule et un univers, elle est énorme, mais elle est de degré, elle n'est pas de nature. Et en physique quantique, tout ce qui est possible se produit, paraît-il. Donc, si on est capable d'avoir une particule qui apparaît, même si en général, elle disparaît dans la seconde, même dans la milliseconde, pourquoi est-ce qu'un univers ne pourrait pas apparaître? Il n'y a pas de barrière ontologique entre les deux. Et le problème du néant, c'est que si on ne peut pas le définir, peut-être qu'il n'existe pas. Et c'est très dur à imaginer un univers infini. Et le fait est que les cosmogonies en général, les mythologies, etc., posent un début à l'univers, parce que notre cerveau fait comme ça, les choses ont un début, ont une fin. Dans notre expérience à nous, on n'a pas de preuve que l'univers ait un début. Et je ne peux pas vous prouver le contraire, juste, dans la mesure où on n'a pas de preuve que l'univers a forcément un début, toute démarche qui tend à prouver que Dieu existe en prenant le point de départ que l'univers a un début, la prémisse est fausse. On ne l'a pas prouvé. Donc l'argument, il peut être raisonnable, il peut être logique, il peut être cohérent, mais il n'est pas rationnel dans la mesure où la prémisse n'est pas encore prouvée. On ne peut pas dire qu'on sait ça dans la mesure où la prémisse n'est pas juste. D'accord. Donc si je comprends bien, vous me reprochez d'abord de ne pas donner de définition de Dieu, je vous en ai donné une. Par contre, quand je vous demande qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers, vous me dites c'est le néant et le néant est indéfinissable. Je ne dis pas que... Et ce néant a créé l'univers. Non, je ne dis pas que... Dans le concept d'univers éternel, qu'est-ce qui vous échappe? Rien. Dans ce cas-là, le néant n'est pas à l'origine de l'univers puisque l'univers est éternel. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses, ou bien l'univers n'a pas eu de commencement, ou bien l'univers a eu un commencement. Je parle des modèles. Les modèles actuels montrent que lorsqu'on retire tout, qu'on essaie de faire du néant, il y a des choses qui se passent dedans. Donc, le néant, apparemment, on n'a pas réussi à le reproduire en laboratoire. Apparemment, ça n'existe pas. Donc partir du principe que le néant a existé avant l'univers, c'est faire de l'imagination, imaginer qu'il y a eu quelque chose avant et qu'il y a eu un événement qui a créé l'univers, et donc on pose Dieu. Mais si on n'a pas cet événement entre le néant et l'univers, forcément, on n'a plus de place pour Dieu. Je que vous vous embêtez, mais la physique ne ménage pas d'espace pour qu'il y ait une création. En théorie, c'est possible, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas prouvé que le néant existait. Et donc, je ne vais pas vous dire plus que ça. Vous ne considérez pas le néant comme étant réellement une absence, c'est-à-dire une inexistence. Le néant est un X dans lequel il y a certaines propriétés, on ne sait pas lesquelles. Je ne sais pas. Et on voit que ça produit certains effets, mais ce n'est pas réellement un néant absolu, au sens où on pourrait l'entendre. Pour me dire que l'univers a forcément existé, il faudrait me prouver qu'il serait possible qu'il n'y ait rien du tout. Alors, on peut l'imaginer, ça, c'est très bien, c'est ce que vous faites. Pour le prouver, je suis un peu empiriste, vous avez remarqué, il se trouve que pour faire voler des avions, il faut des preuves empiristes. Pour aller sur la Lune, il faut des preuves empiristes. Pour tout ce qu'on connaît, toutes les choses qui, depuis 200 ans, fonctionnent grâce à la méthode scientifique, ça marche parce qu'on a des preuves empiristes. Et donc, on est capable de savoir des choses parce qu'on est capable d'échanger des concepts, et ces concepts reposent sur un examen du réel. Donc, si vous me dites que votre preuve, il faut l'extraire de l'examen du réel parce qu'il faut imaginer un néant, très bien, mais ce n'est pas rationnel. Puisqu'on perd le lien avec le réel. Encore une fois, je l'ai dit, la preuve par la contingence ne repose pas sur l'idée qu'il y ait eu un néant. Donc, elle n'est pas rationnelle. Au sens où il faut... Enfin, au sens où elle est communicable et vraie pour tout le monde. Elle est vraie dans votre cadre local de cohérence, très bien. Elle repose sur les lois de la logique, et ma définition du rationalisme n'est vraiment pas propre à moi. Elle est vraiment très classique en philosophie. Dans les rationalistes, vous avez Descartes, vous avez Leibniz, vous avez Malebranche, vous avez Christian Wolff, vous avez un grand nombre d'auteurs. C'est une définition qui est vraiment classique. Descartes, qui a dit plein d'anneries, Descartes. Un grand physicien, mais piètre philosophe. Non, c'est méchant. J'ai l'avoir lu pour pouvoir dire ça. C'est gentil. Alors... Donc, mais j'aimerais quand même juste revenir aux questions auxquelles moi je n'ai pas eu de réponse. Parce que, par exemple, on a parlé de la prière. Je crois avoir expliqué que c'était difficile d'imaginer que la prière avait un sens dans un univers où Dieu est omnipotent, omniscient, mais admettons que la prière est un effet. Une méthode rationnelle pour vérifier ça serait de tester la prière. D'accord ? Cet effet. Il y a eu des dizaines d'expériences qui ont été réalisées dans les 40 dernières années, financées par la Templeton Foundation, que vous connaissez, qui cherche à rapprocher religion et science. Et donc on a testé l'hypothèse, on prie pour des gens, donc on prend un groupe de malades, la plus connue c'est des malades qui ont subi une opération cardiaque, donc ils ont un risque de rechute ou de complications, et on les sépare en différents groupes, et pour un groupe on va prier, pour un groupe on ne va pas prier, et pour le troisième on va prier et on va leur dire qu'on prie pour eux. Et c'est-à-dire que la prière n'a pas eu d'effet, sauf pour ceux à qui on a dit qu'on allait prier pour eux, parce qu'eux, du coup, ils allaient encore plus mal qu'avant.
Alors on peut expliquer ça par le fait que comme ils savaient qu'on avait prié pour eux, ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être grave, donc on ne sait pas. Mais... Donc, et il y a eu plusieurs études, hein, et les méta-analyses des études montrent que la prière ne fonctionne pas. Après, vous allez dire, peut-être qu'on n'a pas analysé la prière comme il fallait, etc. Mais le fait est que si on a fait cette expérience, ça montre bien que les prétentions métaphysiques de la religion ont un effet sur le monde réel, vu qu'on prétend que Dieu, en tout cas chez les théistes, que Dieu intervient dans le monde réel, et dès que Dieu intervient dans le monde réel, on doit pouvoir le mesurer. Donc on rentre dans le cadre de la science, on est loin du rationaliste tel que vous l'entendez, on rentre dans le rationnel méthodologique scientifique. On peut être empiriste. Dès l'instant que Dieu intervient dans le monde, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Comment on définit un miracle? Moi, je ne pense pas qu'un miracle existe, mais si vous pensez qu'un miracle existe, il faut me le définir, et dès qu'on aura une définition, on pourra le tester. Or, on est en 2015, et je ne sache pas qu'on ait prouvé aucun miracle. Et à Lourdes, il y a eu 67 miracles à tester, et des milliers de morts sur la route, qui vont au pèlerinage. Voilà, enfin, c'est une boutade, mais enfin, vous voyez, le problème, c'est que les prétentions du théiste disent que Dieu et le monde interagissent. S'ils interagissent, le monde, c'est la matière. La science s'intéresse à la matière, déjà, pour l'instant, on verra une fois qu'on aura compris ça, ce qu'on fait après. Et si la matière interagit avec Dieu, on doit pouvoir le mesurer. Or, jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Donc, quelle méthode proposez-vous pour vous confirmer ou infirmer vos hypothèses sur le fait que Dieu interagit avec le monde? Alors, pour la prière, effectivement, je connais cette étude de la Templeton Foundation. Je préciserai d'abord que la prière n'est pas efficace par soi. Ce n'est pas parce que je dis que j'ai envie d'être guéri que je suis guéri. C'est on Dieu a... qui... Oui, mais enfin, les télévangélistes, etc., on nous vend beaucoup de choses. Enfin, je n'ai pas vous, mais on voit partout des télé américaines, des gens qui prétendent guérir avec la prière. On a des prétentions exorbitantes de la part de certains croyants sur le fait que la prière fonctionne. Et rien que ça, ça mérite qu'on s'intéresse. D'ailleurs, ça a été fait. D'accord. Mais donc effectivement, il existe des dérives un peu partout. Et puis tout le monde n'a pas forcément fait ou bien des études de philo, ou bien des études de théologie et tout ce qui suit. Mais néanmoins, on sait très bien que la prière n'est pas efficace par soi. L'homme n'est pas omnipotent. C'est pas parce que je dis « je vais être guéri » que je suis guéri. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est Dieu qui est efficace et qui fait les choses, ou pas, effectivement. D'autre part, sur ces études-là, en fait, on a pris 600 personnes divisées en trois groupes. On a fait pour les uns, on a prié pour les uns, on n'a pas prié pour les autres. Certains savaient et d'autres ne le savaient pas qu'on priait pour eux. Le procédé en lui-même me gêne un peu, tout d'abord parce que Dieu répond aux prières au cas par cas selon le projet individuel qu'il a pour chaque individu. C'est votre hypothèse. C'est votre hypothèse. Enfin, c'est la théologie, et effectivement, c'est une hypothèse. Mais en fait, si on veut tester une hypothèse, il faut la poser. Qui est derrière, bien entendu, c'est là de soi. Si Dieu répondait systématiquement à toutes les prières sans regarder le projet de vie qu'il a pour l'individu, effectivement, là, on pourrait le tester, et cette théologie serait réfutée. Oui, mais le projet de vie, justement, on fait des statistiques, on a 600 personnes, il ne peut pas avoir des projets de vie, enfin, bon, c'est pas de chance. Vraiment, tout cela, il aurait décidé qu'ils iraient mal, tout cela, il aurait décidé qu'ils iraient bien, et on les a coupés quand on fait des études statistiques, justement, on gomme tous les paramètres en dehors des paramètres qu'on mesure. Et les paramètres qui étaient mesurés, c'est on priait pour ces gens ou on priait pas pour ces gens. Après, évidemment, individuellement, il y a peut-être pour certains pour lesquels Dieu avait un projet, mais dans le groupe, on aurait dû voir un effet si la prière avait un effet. Oui, mais c'est pas le seul biais. Ce que je veux dire, c'est qu'un biais, mais il y en a d'autres. D'autres, notamment, le fait que les individus ne priaient pas pour eux-mêmes, mais c'était des individus qui priaient pour d'autres. Or, en règle générale, donc ça marche pas, ça. Même prier pour soi, au moins demander. Bah, grande nouvelle, j'ignorais, donc je note, il faut que je puisse être guéri. Prier pour soi et pas pour les autres. Mais non, vous pouvez prier pour les autres, bien entendu, mais si vous-même, vous ne voulez pas de cette guérison, vous croyez que Dieu va vous obliger à avoir cette guérison, c'est un exemple, mais il faut au moins le demander soi-même. Ah, d'accord. Si vous-même, vous ne priez pas pour votre cas, bon, enfin, je veux dire, pourquoi Dieu vous obligerait à avoir un effet dans votre vie? Alors, vous n'avez rien demandé. Il ne va pas s'imposer dans votre vie. Je prenais cette étude-là juste pour montrer que, au-delà des résultats, ces résultats sont totalement biaisés, je suis d'accord avec vous. En soi, ce n'est pas le résultat qui est intéressant. Le résultat aurait été différent. En revanche, les croyants auraient dit, voyez, on a prouvé que la prière marchait. Bon, dans l'autre cas, Ils auraient eu tort, je pense. Je pense aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on est capable d'avoir des expériences où on teste les prétentions métaphysiques des théistes. Et comme on est capable de le faire, on doit le faire, parce que la seule méthode pour convaincre les gens, comme moi je suis de bonne foi, si Dieu existe et qu'il veut que je croie, j'ai plutôt intérêt à le croire, mais je ne peux pas le croire si je n'ai pas les preuves.
D'accord. Mais je ne crois pas justement qu'il existe d'arguments empiriques. Je pense que tout argument en faveur... Je viens de vous dire qu'on peut tester... Attendez juste une seconde. Je crois que tout argument est ultimement en fait de type rationnel ou abstrait. Et je vais prendre l'exemple du miracle, où vous me demandiez qu'est-ce qu'un miracle. Par exemple. Je ne crois pas qu'un miracle soit un événement contre nature. Si Dieu a décidé qu'il y ait des lois de la nature, a priori, il avait ses raisons. Et j'imagine mal qu'il puisse faire une exception à une loi de la nature. D'autant plus s'il fait une exception à une loi de la nature, ce n'est plus une loi, donc il n'y a plus de miracle. En fait, le miracle est un événement qui est exceptionnel et qui a une portée théologique, une signification théologique. Ce qui veut dire que le miracle, un, il n'est pas reconnaissable d'un point de vue scientifique, parce qu'un scientifique pourra toujours tenter une explication naturelle. Et d'autre part, il a une portée théologique, ça veut dire qu'il a du sens pour celui qui croit déjà. Donc c'est une interprétation. Je vais donner un exemple. Non, c'est pas mon interprétation, c'est un théologien qui s'appelle Hollande. Le miracle tel que vous le définissez, c'est une interprétation dans un cadre théologique. Exactement. Et je vais donner juste un exemple. L'ouverture de la mer Rouge devant Moïse, le texte biblique dit que c'est un événement naturel dans la mesure où il y a eu un vent très puissant qui a duré toute la nuit et qui a fini par ouvrir la mer. On a eu deux géologues, Doran Knopf et Nathan Poldor, qui en 91 ont trouvé une explication géologique à l'ouverture de la mer Rouge. Donc ils disent « c'est possible ». Eh bien, moi j'y vois là un exemple d'explication naturelle, a posteriori, mais d'un événement qui reste quand même extraordinaire. Un tel événement a une très faible probabilité d'arriver. Mmh. Et d'autre part, qui a une signification théologique extrême. C'est la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Vous êtes au courant que les preuves historiques de l'existence de l'Exode sont nulles. Il n'y a aucune preuve historique. Je prends cet exemple uniquement à titre d'hypothèse pour vous donner un cas. Encore une hypothèse qui repose sur l'envie de croire que c'est vrai. Je vous donne juste un cas parce que je ne suis ni théologien ni historien. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous dire si... Je n'ai pas les éléments moi non plus, mais je... si cet événement a eu lieu ou pas. Si c'était connu, ça se saurait. Mais dans tous les cas, on voit là un cas d'événement qui a lieu de façon naturelle, mais qui est extraordinaire et qui a une signification théologique. Sauf que l'événement, on ne sait pas s'il a eu lieu. On a des hypothèses pour expliquer comment il se serait produit s'il avait eu lieu. Mais vous m'avez juste demandé une définition du miracle, je viens de... D'accord, oui, mais le problème, c'est que... Je ne dis pas que l'événement a eu lieu. Ok, donc vous me dites qu'un miracle, c'est un événement voulu par Dieu, etc., dans un cadre théologique, mais qu'on ne peut pas expliquer hors du cadre théologique. Exactement. Donc si on ne croit pas au départ, on ne peut pas être convaincu par les miracles. Exactement. Donc les miracles ne servent pas à convaincre ceux qui ne croient pas. Exactement. D'accord. C'est un signe pour ceux qui attendent une réponse. D'accord. Donc ça ressemble exactement à ce qui se produirait si les gens étaient dans une fausse croyance et qu'ils avaient des éléments et qu'ils les interprètent pour se réconforter. Ça ressemble beaucoup à ça. Mais non, parce que si vous avez des arguments rationnels qui viennent avant, si vous avez déjà des preuves de l'existence de Dieu, non. Vous pouvez vous attendre à ce Sauf que les preuves rationnelles de Dieu, je ne les ai pas eues. Vous partez du commencement de l'univers qui n'est pas prouvé. Encore une fois dit que ça ne marchait pas par rapport à la question du commencement de l'univers. Même si l'univers est éternel, cette preuve marcherait quand même. C'est la question de la contingence. Mais là, on n'a pas prouvé que l'univers ne pouvait pas exister. Ok, alors on va s'arrêter là, voilà, donc Alexis Masson est convaincu de son point de vue. Le but c'était de montrer qu'on peut en parler sans se taper dessus. Donc voilà, jusque-là on est d'accord, la question c'est qu'est-ce qu'en pense le public et qu'est-ce qu'en pensent les internautes, c'est le troisième volet de notre débat. Alors vous avez suivi ça avec attention, maintenant on va avoir un temps de questions. Alors le temps de parole est plus équilibré que tout à l'heure, mais toujours en faveur d'Alexis Masson, donc s'il vous plaît... poser en premier les questions à Thomas Durand. Parce que je parle trop vite en fait, enfin, je ralentis. On va essayer de rééquilibrer tout ça d'ici la fin de notre temps ensemble. D'accord. Donc voilà, place à vos questions. On a deux personnes qui suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques autres qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a une première question à poser à nos deux débatteurs? Si c'est possible, en priorité de ce côté-là, et puis on équilibrera au fur et à mesure. À vous, le public. Il y a un petit décalage, donc il faut le... Donc les 12 000 personnes présentes dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Non. Il faut savoir qu'en ligne, il y avait plus de 200 personnes des fois. Donc, voilà, donc plus de 200 personnes en ligne et 8-9 dans la salle, dans le public, voilà. Donc les internautes ont la majorité. Alors il y a une question. Il y a une question intéressante. Question simple à tous les deux. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Voilà, alors question d'un internaute. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Je me tourne en premier vers Thomas Durand. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis de votre position? Alors il y a plein de choses qui pourraient me faire changer d'avis, notamment puisque Dieu est omniscient et omnipotent, pardon, enfin tout puissant. Il pourrait faire ça et je crois. Donc, même pas besoin de preuves, à la limite. Il suffirait que je devienne croyant et je deviendrais croyant. Par définition, ça marcherait. On pourrait me prouver tout phénomène qui irait totalement. Tout miracle, un miracle, de mon côté, quelque chose qui se produirait et dont on dirait que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on sait. Par exemple, la Terre s'arrête de tourner, vous voyez. Il y a, dans la Bible, à un moment donné, c'est le jour de Job, ça, non? Il y a plusieurs interprétations. Je décide que je pourrais croire si la Terre s'arrêtait de tourner. Et pourtant, tout se passe bien, et puis la Terre se remet à tourner. Là, ça serait tellement extraordinaire que... Et puis, il pourrait juste y avoir, à un moment donné, les étoiles qui disent « Dieu existe » dans le ciel.
Je serais très convaincu personnellement. Il y a plein d'événements, ou même par rapport à Jésus, je suis très sceptique par rapport à son existence historique. Je sais que le consensus dit qu'il existe, mais le consensus bouge un peu. Mais ça, par exemple, il suffirait qu'on trouve des éléments physiques, etc., pour prouver que Jésus existe, pour prouver que le suaire est le vrai suaire de Jésus, alors que bon, on a fait une vidéo dessus pour montrer qu'on sait très bien que celui qui est à Turin n'est pas le vrai. Si on trouvait le vrai et qu'on montrait que c'est le réel et qu'on avait du sang avec de l'ADN, et imaginons qu'on ait un sang avec moins de chromosomes que ce qu'il faut, juste les chromosomes de sa mère et puis le chromosome X, vous connaissez, il y a un personnage assez atypique qui avait prétendu avoir retrouvé le sang de Jésus dans une tombe qui était sous le Golgotha avec du sang, et ce sang, après 2000 ans, était encore en vie, et il n'y avait que la moitié des chromosomes plus le chromosome Y. Alors ça, si c'était vrai, d'abord il faudrait qu'on me le montre, enfin, à ceux qui savent, et ça, je serais convaincu. Et je dirais, c'est étonnant, donc Jésus est sans doute quelqu'un d'extraordinaire et de surnaturel. Il y a plein d'éléments, pareil pour l'évolution, si on trouvait un squelette de lapin dans l'ordovicien, par exemple, ce qui n'est pas possible, on dirait, tiens, en effet, la théorie ne marche plus. Mais voilà. Il y a plein de choses empiriques, je suis désolé de vous le dire, pas empiriques, mais du coup, métaphysiques, dans le sens où d'un seul coup, je deviens croyant, sans raison apparente, mais parce que Dieu l'aurait décidé, je peux changer d'avis, pour plein de raisons. Voilà, merci Thomas Durand. Alors Alexis Masson, vous, qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? Bah, d'abord, je prierais pour Thomas, puisque si c'est sous la forme d'une prière, si c'est les signes que tu attends, moi je veux bien prier pour que tu aies ces signes-là, même merci. Si j'y crois peu, mais bon, pourquoi pas, après, un Dieu est tout puissant. Après, moi, ce qui me ferait changer d'avis, ce n'est évidemment pas un miracle. D'ailleurs, même quand j'étais athée, un miracle ne m'aurait pas convaincu. Ce qui me ferait changer d'avis, c'est une contradiction. Il faudrait me montrer par A plus B, par 1 plus 1, que l'idée de Dieu est contradictoire. Là, dans ce cas, ça deviendrait une impossibilité logique, et dans ce cas de figure, effectivement, j'en douterais. Maintenant, il n'y a pas d'élément empirique qui me ferait vraiment douter, parce que j'ai toujours une méfiance naturelle de rationaliste vis-à-vis des éléments empiriques. On peut toujours leur donner une autre interprétation. Wilfried Sellars, par exemple, avait dit qu'il n'y a pas de données brutes, toute donnée est déjà infusée d'interprétation, donc il faut toujours prendre avec des pincettes l'expérience. En tant que rationaliste, j'ai plus confiance en la raison qu'en l'expérience, et en ce sens-là, une contradiction, moi, me convaincrait effectivement qu'il y a un problème. Merci. Donc si la Bible avait des contradictions, vous ne croiriez plus dans la Bible? Si le concept de Dieu était contradictoire, si la théologie chrétienne était contradictoire, effectivement, je ne croirais plus. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui refusent de voir les contradictions. Mais okay. Alors, je me retourne vers le public. Y a-t-il d'autres questions, soit dans la salle, soit auprès de nos internautes? Moi, j'ai une question. Oui, question de la salle. Qui va dans le même sens que la question qui a été posée. Du coup, je trouve ça intéressant. C'est Alexis, est-ce que tu étais seulement athée, ou est-ce que, comme on l'a dit, tu étais vraiment athée militant? Auquel cas... après, la réponse, c'est peut-être la contradiction, comme tu disais, mais qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer d'avis, pour le coup? Voilà, alors, question qui est posée à Alexis Masson. Il semble que vous ayez déjà changé d'avis, puisque, comme on l'a dit, vous étiez athée militant. Alors, est-ce que vous étiez vraiment athée militant dur, ou est-ce que c'était un athéisme soft qui expliquerait peut-être mieux le changement? Non, c'était un athéisme militant, c'est-à-dire que j'allais carrément dans les églises pour essayer de convertir les gens à l'athéisme. Ce qui m'a fait changer d'avis, en fait, c'est un double processus. Non, mais c'est important. Si c'est vrai, il faut aider les gens à connaître la vérité. Donc je pense que si vous êtes athée, allez dans les églises et allez aider les gens à découvrir la vérité. Mais vice-versa, si vous êtes chrétien et que vous pensez avoir la vérité, allez voir les athées et allez leur expliquer ce que vous pensez être la vérité. Parce que sinon, ça veut dire que vous laissez votre voisin sans connaître la vérité. Je trouve ça éthiquement... La conséquence pour l'athée, c'est que la personne qui croit en Dieu peut gâcher sa vie, celle des autres, mais... L'athée qui ne croit pas alors qu'il devrait, lui, va en enfer. Donc, le croyant doit aller vers l'athée pour le sauver. L'athée n'a pas sauvé le croyant. Le croyant, il est libre de faire ce qu'il veut. Je suis humaniste, je ne vais pas forcer les gens à croire autre chose. Et souvent, les athées disent quand même qu'ils perdent leur vie. Mais je peux comprendre. Oui, non, mais le pari de Pascal est faux parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de prix à payer pour rendre Dieu, évidemment. Ah, je suis d'accord. Après sur la question du pari de Pascal, je ne comprends plus. Et pour revenir à la question... alors, il y a eu un double processus, en fait. D'abord, il y a eu un questionnement philosophique. Je suis entré en faculté de philosophie. Il y avait un chrétien également qui était dans la même promo que moi. Et au bout d'un an, il y avait certains arguments qui me posaient problème, comme par exemple la question que j'ai évoquée, celle de la contingence. En tant qu'athée, je ne trouvais pas de réponse logique à cette question-là, et ça me posait un énorme problème. Et puis, à côté de cela, il y a eu effectivement une expérience spirituelle.
C'est-à-dire qu'un soir, j'ai entendu ce que j'interprète comme étant Dieu, puisqu'évidemment, on peut toujours dire que c'est un événement psychologique. Néanmoins, il m'apparaît difficile de l'expliquer comme un événement naturel psychologique, puisque je n'avais pas de prédisposition normalement à croire en Dieu. J'étais athée, militant, mais j'ai vécu cette expérience. Je crois avoir entendu Dieu me dire « Alexis, tu es pécheur, mais je te pardonne dès aujourd'hui, car je t'allogue comme mon fils. » Et ça, ça a été l'élément qui chronologiquement a conduit à ma conversion, à beaucoup de réflexions, parce que je n'ai pas été tout de suite chrétien. Au début, je me demandais si Dieu existe, effectivement, lequel est-il? Est-ce que c'est forcément le Dieu des chrétiens? Je pourrais aussi avoir été trompé par un Dieu, par le diable, par exemple, qui, en réalité, ne serait pas le Dieu des chrétiens, mais me conduirait vers la voie des chrétiens pour m'éviter d'aller vers la vérité. Donc je me suis quand même posé toutes ces questions-là, j'étais un peu... Parce que le vrai Dieu, c'est Vishnu, tout le monde le sait. Et, effectivement. Mais du coup, j'ai été cartésien. Je me suis posé la question du « est-ce que je n'ai pas été trompé ?» Et donc j'ai continué mon cheminement intellectuel, et là, les deux voies se sont donc accumulées, puisque c'est la réflexion rationnelle qui, là aussi, m'a confirmé dans la voie chrétienne. Donc il y a les deux processus. Voilà, merci Alexis Masson. Je me tourne à nouveau vers le public. Une autre question, alors si possible pour Thomas Durand, on a toujours presque 4 minutes d'écart, donc c'est bien s'il peut y avoir du temps de parole de ce côté-là. Il y a une question éventuellement, pose. Est-ce que l'agnosticisme serait plutôt une forme d'athéisme ou de croyance? Bonne question. Est-ce que l'agnosticisme est une forme d'athéisme? C'est-à-dire, vous dites Dieu n'existe pas, ou est-ce que finalement c'est une forme de foi? On a prévu d'en parler dans l'agnosticisme, parce que justement, l'athéisme, l'agnosticisme, c'est des concepts que les gens n'ont... Même nous, on n'a pas forcément les bonnes clés au départ, donc on a beaucoup travaillé dessus pour comprendre. Alors, en fait, on peut être athée et agnostique. On peut être croyant et agnostique, en gros. De façon, par le gars, si je dis bêtises, il a, je pense, là-dessus plus éthiquement. En gros, un athée considère qu'il ne croit pas en Dieu, et ça pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il n'est pas sûr, mais il ne croit pas, auquel cas il est athée agnostique, soit il ne croit pas et il est sûr, enfin, il est plutôt sûr que. Parce qu'il a des preuves, notamment la preuve de l'absence. Parce que dire que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, c'est vrai, sauf qu'on sait qu'il n'y a pas de girafe ici. Il n'y a pas de girafe parce qu'on aurait des preuves que la girafe était là. On aurait trouvé des poils, on aurait trouvé des excréments. Donc l'absence de preuves qu'il n'y a pas eu de girafe, même hier, il y a pas de girafe hier aussi. L'absence de preuves où il y aurait de l'ADN. L'absence de preuves qu'il y a une girafe et la preuve qu'il n'y a pas de girafe. Donc pour Dieu, pour certains athées, on considère qu'il y a suffisamment de preuves négatives pour dire que si Dieu existait, on devrait avoir ça, ça, ça et ça. On ne l'a pas, donc Dieu n'existe pas. Donc cela, ils peuvent être athées et agnostiques. On peut être athée et agnostique, dire que bon, il n'y a pas de raison, enfin, j'ai pas de preuve définitive, je ne suis pas totalement sûr, mais je ne le sens pas. Donc je suis plutôt athée, je n'ai pas de croire. Donc, l'athée, ce n'est pas une croyance. C'est vraiment quelque chose, c'est une option métaphysique, on va dire, mais c'est plutôt une absence d'adhésion à un concept. Le concept de Dieu, bah, moi ça ne rentre pas dans ma case, donc je ne l'utilise pas. De l'autre côté, on a des croyants qui vont être soit déistes, qui considèrent qu'il y a une force créatrice à l'univers, mais que soit elle est là, mais elle n'est pas connaissable. Et bien pareil, il est théiste, comme Alexis, qui pense que Dieu est a une personnalité, qu'il interagit avec le monde, etc. Et dans ce cas-là, il y a des révélations, etc. Donc eux, ils sont gnostiques, puisque eux, ils ont des preuves. Les déistes, eux, ils peuvent être déistes agnostiques, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a une entité, mais ils ne sont pas sûrs. Donc ils se gardent le doute pour savoir. C'est la nuance que je mettrais. Mais a priori, l'agnostique, c'est celui qui... peut croire ou ne pas croire, mais qui se refuse à dire qu'il sait. Enfin, l'agnostique, c'est celui, comme je disais tout à l'heure, qui considère que les propositions qu'on nous amène, par exemple Dieu et ceci, cela, le concept de Dieu est trop mal défini pour qu'on puisse savoir. Par exemple, si on dit « Pourquoi est-ce qu'une licorne ne pend pas d'eux ?» Bah, la question, elle est grammaticalement correcte, mais elle n'a pas de sens. Donc je vais répondre « nu hein, ». Et puis, donc je suis agnostique du fait que les licornes sont vivipares ou ovipares, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs manières de voir les choses. Je dirais qu'il y a une définition classique de ce qu'est un agnostique. Je prends le dictionnaire de l'Académie française. Vous pouvez aller vérifier sur Internet, hein, le dictionnaire est disponible sur Internet. L'agnostique, c'est celui qui ne se prononce pas normalement sur la question de l'existence de Dieu, c'est-à-dire il ne dit ni que Dieu existe, ni que Dieu n'existe pas. L'athée, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Alors après, il peut dire qu'il le croit, si il n'a pas assez d'éléments pour le soutenir. Il peut dire qu'il le sait s'il dit qu'il a des preuves logiques qui l'affirment. Ou peut-être si on est empiriste,
qu'il a des preuves empiriques, mais ça c'est une question d'épistémologie. Mais donc il y a cette distinction classique normalement entre l'agnostique et l'athée. Vous avez l'agnostique qui dit « moi je ne sais pas », et puis l'athée qui dit « moi je pense que Dieu n'existe pas ». Moi je pense que ça, c'est une définition de théologien. C'est l'Académie française. Après, oui, peut-être qu'il y a un complot dans l'Académie française de catholiques, je ne sais pas quoi. Complot, l'Académie française est le produit d'une culture judéo-chrétienne où on avait beaucoup de gens croyants qui ont écrit les dictionnaires. Donc, quand on regarde l'article athée dans les dictionnaires de l'Académie, les exemples de textes qui illustrent ça montrent bien qu'ils ne sont pas très, très partisans de cette option-là. Juste, c'est à mon sens faux de mettre l'agnostique au milieu entre l'athée et le croyant d'un côté. L'agnostique, il n'est pas au milieu. On peut être agnostique et athée, ou agnostique et... Bon, en fait, si on change le sens du mot agnostique par rapport au sens traditionnel, je vais l'appeler traditionnel comme ça, je suis sûr que tu seras content. Puisque, voilà. Donc, si on change le sens par rapport au sens traditionnel, oui, effectivement, on peut être dans ce cas chrétien, c'est-à-dire croire que Dieu existe, mais on n'est pas tout à fait certain, donc on est agnostique. On peut être athée et agnostique. Pour chrétien, ça me paraît difficile. Les déistes peuvent être agnostiques, les chrétiens, ils sont quand même censés adhérer au dogme, donc ça me paraît difficile. Enfin, vous avez un grand paquet de gens qui se posent des questions et puis c'est valable aussi du côté de l'athéisme. Vous pouvez dans ce cas être athée et agnostique, c'est-à-dire un athée qui dit « moi je pense plutôt que Dieu n'existe pas, mais je ne sais pas ». Je pense que les agnosis, c'est-à-dire « ne sait pas ». Je pense que les athées rationnels sont forcément un peu agnostiques. Aucun athée rationnel ne peut dire « je sais que Dieu n'existe pas ». Sauf s'il y avait une contradiction dans le concept. Parce que Dieu peut se cacher, sauf que Dieu, il faut me dire ce que c'est. Et je ne sais pas ce que c'est que vous. Ok, alors je pense que le public a compris entre la position des définitions classiques et puis d'autres définitions qu'on peut voir derrière ces mots. Sans doute ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, soit dans la salle, soit parmi les internautes? Oui, apparemment, il y a plusieurs questions. Il y a ici une question. Si toute chose a un créateur, qui a créé le créateur? N'est-ce pas une contradiction? Ouais, je me tourne plutôt vers Alexis Masson, puisque de ce côté-là, il n'y a pas de créateur. Je répète la question, parce qu'en effet, je ne suis pas sûr que tout le monde l'a entendu. Donc, si Dieu a créé toute chose, s'il y a un créateur qui a créé toute chose, qui a créé le créateur? Ouais. Alors, en fait, cet argument, il ressemble beaucoup à celui de Bertrand Russell, qui disait que si tout effet a une cause et si toute cause a un effet, se pose alors un problème. Si toute chose a une cause, se pose un problème, c'est quelle est la cause de Dieu? On devrait avoir une cause à Dieu lui-même. Et si toute chose a besoin d'un créateur, Dieu lui-même devrait avoir besoin d'un créateur. En fait, Bertrand Russell a mal formulé le principe de causalité, ce qui est d'ailleurs étonnant pour Bertrand Russell, qui était un très grand philosophe. Il a dit « toute chose a une cause ». Or, ce n'est pas cela, c'est « tout effet a une cause ». C'est ça, le principe de causalité. Donc, il suffit qu'une chose ne soit pas un effet pour qu'elle n'ait pas besoin de cause. Et qu'est-ce qui définit un effet? C'est quelque chose qui ne suffit pas à sa propre explication. Dès que vous avez affaire à un être qui ne suffit pas à sa propre explication, vous savez que vous avez affaire à un effet et donc vous avez besoin d'une cause. Mais Dieu, suffisant à sa propre explication, il n'est donc pas un effet et n'a donc pas besoin ni de créateur ni de cause. Voilà, merci. Dire un mot là-dessus, c'est un jeu de mots en fait. Non, c'est des définitions qui sont strictes. C'est une définition qui est un jeu de mots. Dire que il n'y a qu'un effet, qu'à une cause, oui, les mots effet et cause étant dépendants l'un de l'autre. Vous posez la définition que Dieu n'a pas de cause et vous en concluez que Dieu n'a pas de cause. Mais en fait, si Dieu avait besoin d'une cause, ce ne serait plus Dieu. Donc il faudrait arrêter de parler Dieu est un concept. Dieu est un concept qui est posé comme n'ayant pas besoin de cause. Mais le concept de la licorne qui pond des œufs est un concept qui peut aussi exister quelque part. Oui. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il est vrai. Mais bien sûr. Mais on parle là de la question simplement, c'est est-ce qu'il y a une contradiction? Donc on se situe uniquement au niveau de la possibilité logique. La contradiction, elle existe. Or, si Dieu avait une cause, ce serait autocontradictoire. Donc l'argument des chrétiens, si j'ai bien compris, la faiblesse du concept. Pour conclure pour le public, l'argument des chrétiens, c'est ce qu'on appelle, je crois, en théologie, l'acéité de Dieu. Dieu existe de lui-même, et donc du coup, il n'y a pas besoin de cause à Dieu. C'est on s'approche de la fin, les plus absolues sont toutes tautologiques. Et il me reste à peu près 1 minute 50 d'avance de ce côté, donc on va prendre une dernière question, si possible du côté de Thomas Durand, et puis on s'approchera doucement de la conclusion de notre débat. Moi j'en ai une, mais j'ai déjà posé une question, mais je suis passionné par ce que vous dites, du coup je sais pas si... D'accord, alors peut-être vu que c'est une question la salle, on pourra, si c'est de ce côté-là, on pourra peut-être la prendre après. Par contre, on va prendre du coup, est-ce qu'il y a des questions? Je dois avouer que la plupart des questions... Pas beaucoup. Monsieur Masson. Personne. Ok, d'accord. J'ai pas de problème, c'est une question pour Alexis, allez-y. D'accord. Je me permettrai de réagir si jamais... On fera une réaction. Voilà. Du coup, je récapitule. Petit laps de temps de... Peut-être du coup une dernière question, il y aura une petite avance d'une ou deux minutes, mais je crois que ça gêne pas Thomas Durand, si j'ai bien compris. Donc voilà, on va prendre une dernière question peut-être d'un internaute. Il y a éventuellement une question qui a été posée à Thomas directement. Qui est Jésus-Christ? Je ne suis pas certain que ce soit Pas j'ai pas un avis autorisé là-dessus. Voilà, exactement.
Alors, si le diable est contre Dieu, pourquoi punir les gens qui n'ont pas respecté ce dernier ? Me laisse tomber. Voilà qui est complexe. Alors, vous n'entendez pas, mais on a des questions. Il y a des questions que nous ne comprenons pas. Qui est Jésus, si Dieu est amour, pourquoi le diable ? Si Dieu est amour, pourquoi le diable ? Voilà, si Dieu est amour, pourquoi le diable ? Voilà, question intéressante, donc je me tourne vers Alexis Masson. Si Dieu est amour, alors pourquoi le diable ? Mais justement, c'est parce que Dieu est amour que le diable. Voilà. C'est justement parce que Dieu est amour qu'il a créé. C'est justement parce que Dieu est amour qu'il a créé toutes sortes de créatures, sachant que certaines s'opposeraient à lui et sachant que certaines auraient foi en lui. Parce que l'amour de Dieu est non discriminant, même s'il savait que des personnes allaient s'opposer à lui, il a accepté de les créer. Et le diable en est un exemple. Le diable, je précise, n'a pas été créé mauvais. Il a été créé ange comme tous les autres. Et c'est par sa liberté qu'il a choisi de s'opposer à Dieu. C'est un être libre. Dieu savait qu'il créait le diable. Oui, bien sûr. Et c'est justement parce qu'il est amour qu'il a accepté de créer le diable tout en sachant ce qui allait se produire. Parce qu'il n'a pas voulu faire de discrimination entre le diable et d'autres anges. Et c'est parfaitement logique. Oui. Je suis sarcastique. Voilà, alors, nos débatteurs, évidemment, ne se sont pas convaincus dans un sens ou dans l'autre. C'était pas le but, comme dans tout débat. Le but, c'est que le public puisse se faire son opinion en écoutant deux positions différentes. Donc voilà, on espère que vous avez pu réfléchir, que ça nourrit aussi votre quête de vérité et de réflexion sur cette question. Est-ce raisonnable de croire en Dieu ? On va arriver à la conclusion, il y aura peut-être d'autres débats à une autre occasion, sans doute qu'il reste beaucoup de questions à traiter sur ces questions-là, mais voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, étant donné que l'heure tourne. Merci à tous de nous avoir suivis, merci au public dans la salle, et peut-être à très bientôt pour un prochain débat. Merci encore, merci bien. Bon débat.